Donc, pour ceux qui me connaissent, je suis Madame Léguinet, donc du service prévention de la CPM des Vosges. Donc, la CPM organise ses Jeudis de la Santé en partenariat avec la ville d'Épinal. Donc, tout le monde connaît les Jeudis de la Santé, je pense. Donc, pour rappel, c'est une conférence qui a lieu chaque troisième jeudi du mois, de septembre à juin. Donc la conférence prochaine sera la dernière de la saison. Donc ça sera le... Je ne dis pas de bêtises. Donc le 15 juin, et ça sera sur les maladies inflammatoires chroniques du côlon. Voilà. Donc je vous invite, comme je vous ai dit tout à l'heure, à remplir la feuille pour définir vos besoins pour la saison prochaine. N'hésitez pas, les thématiques de santé... qui vous concerne ou votre entourage, qui vous viennent à l'esprit. Voilà, donc aujourd'hui, cette conférence sont sur les urgences médicales. Donc nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir le docteur Moronval et le docteur De Talency. Donc ils sont médecins urgentistes, entre autres, mais avec beaucoup d'activités, je vais les laisser et définir. Donc, bonjour à tous. Je suis docteur Moronval. En effet, je suis médecin urgentiste temps plein à l'hôpital d'Épinal depuis 2012 maintenant. Une activité d'urgence et de SMUR, donc on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Et j'ai également une activité en tant que responsable du CESU, qui est le centre d'enseignement des soins d'urgence. En fait, c'est vrai, je suis un petit peu responsable de toute la formation aux gestes d'urgence des professionnels de santé. Donc, ça passe du médecin au pharmacien ou dentiste. Pour effectuer les gestes d'urgence en premier secours. On a quand même une recrudescence des demandes de formation suite aux attentats, parce que beaucoup de personnes veulent apprendre à faire ces gestes qui sautent. Voilà. Et je suis également médecin référent de tout ce qui est les risques, situations sanitaires exceptionnelles, donc ça regroupe. En effet, actuellement, les attentats, c'est vraiment un sujet d'actualité, mais également les risques éventuels biologiques. Les risques biologiques, ça va être quoi? Ça va être par exemple un cas de grippe, par exemple, où il y a deux ans, vous vous souvenez peut-être la menace Ebola qu'on avait au niveau national. Et c'est en fait mettre en place des mesures et des formations spécifiques pour les professionnels de santé face à tous ces types de risques. Voilà. Donc, je ne vais pas mettre en plus là-dessus. Et par contre, c'est mon collègue, le docteur De Talency. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marc Lancé, je suis l'ancien chef de service des urgences d'Épinal et l'actuel directeur du SAMU des Vosges. Je remercie les organisateurs de nous avoir invités pour qu'on puisse vous parler un petit peu des urgences médicales. Et dans les urgences médicales, on va vous traiter plusieurs points, dont le premier, qui est non des moindres, qui va être la régulation médicale, autrement dit le SAMU. Alors, on va se baser sur... cette diapositive qui a l'air très compliquée comme ça qu'on regarde et qui vous résume grosso modo ce qu'est le SAMU. Alors le SAMU c'est quoi en fait? Le SAMU c'est uniquement, il faut bien que vous compreniez, un standard téléphonique. Le SAMU c'est ce qu'on appelle le CRAC-1, ce que vous voyez ici. CRAC-1, ça veut dire quoi? C'est le centre de réception et de régulation des appels. C'est-à-dire quand vous faites le 15, quel que soit l'endroit où vous êtes des Vosges, depuis votre téléphone portable, depuis votre téléphone fixe, vous arrivez toujours au même endroit, ce même endroit qui est un service de l'hôpital, même s'il a une vocation départementale, donc il appartient à l'hôpital d'Épinal. Pour certaines raisons, on est délocalisé sur une plateforme commune d'appel avec nos amis sapeurs-pompiers à Golbey, donc on est au sein de la plateforme d'appel du SDIS des Vosges. Et on va recevoir tous ces appels. Donc le SAMU, ce n'est, entre guillemets, quand je dis ce n'est qu'un standard téléphonique. Ce n'est pas les gens qui vont sur le terrain, ça s'appelle les SMUR, les camionnettes, les ambulances, vous voyez marqué SAMU, ce ne sont pas des véhicules qui nous appartiennent. C'est nous qui avons le pouvoir de temps en temps les déclencher, mais ce ne sont pas une flotte de véhicules qui nous appartiennent. Alors quand vous faites le 15, ou le 112, parce que vous savez peut-être que niveau européen, les SAMU, ça n'existe pas. Le SAMU, c'est une particularité française. Quelques centres 15, de réception des appels, vous allez avoir des médecins au bout du fil dans quelques villes de certains pays européens,
un petit peu à Londres, un petit peu en Suisse, un petit peu en Allemagne, mais aucun service dans le monde qui va proposer ce que le SAMU, qui est une exception française, va faire. Au niveau européen, vous avez des centres 112, qui sont des centres d'urgence sur lesquels vous allez, quand vous avez un problème, quel que soit le problème d'urgence, vous composez le 112, et on va traiter le, grosso modo le problème. Sauf que vous, même pour un cas médical, jamais vous arriverez jusqu'à un médecin. Alors en France, on s'est dit, c'est quand même une zone touristique, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent en transit chez nous, qui ne connaissent pas le 15, qui ne connaissent pas le 18, qui ne connaissent pas le 17, mais qui connaissent le 112. Donc on va refaire un numéro, donc on va créer pour eux le numéro 112. Sauf qu'on a déjà des numéros spécifiquement dédiés, qui ont un traitement spécifique, le 18 chez les sapeurs-pompiers, le 17 sur les zones police ou gendarmerie. Et pour éviter de faire un quatrième numéro avec, bah, il faut mettre du personnel, ça coûte de l'argent, etc. On va rattacher le numéro 112 à un des trois services de l'État, entre le 15, le 18 ou le 17. Donc historiquement, quand le 112 a été créé avec l'obligation de le faire en France, on a demandé et aux pompiers, et aux gendarmes, et aux SAMU, savoir qui voulait prendre le 112 département par département. Dans les Vosges, le SAMU était pardon, le 112 était attribué au SAMU. Vous allez chez nos amis de Cantemoselle, le 112 arrive au 18. Donc pour nous, vous faites le 15 ou 112, une autre téléphone arrive strictement au même endroit. Donc ce même endroit, c'est quoi? C'est ce standard téléphonique que je venais de présenter en deux, le CRA15. Le CRA15 est ouvert 24h sur 24, 365 jours par an. C'est-à-dire qu'en permanence, vous avez une réponse téléphonique au problème posé. Comment ça s'appelle être géré? Mais être géré, c'est d'abord d'être décroché par ce qu'on appelle les auxiliaires de régulation médicale. C'est ce qui est schématisé en ARM sur la diapo. L'ARM, c'est quoi? Ben, c'est une personne qui a fait un petit peu de travail de secrétariat, mais avec quelques notions d'urgence, de type de médecine d'urgence, qui va être chargée de recueillir vos coordonnées. Parce que si on n'a pas l'adresse, vous imaginez bien qu'on va pas pouvoir, s'il y a besoin d'envoyer un moyen quelconque ou un médecin, si on n'a pas l'adresse, on va pas savoir où l'envoyer. Qui va être chargé de recueillir les premiers éléments, le pourquoi vous appelez. Et en fonction du pourquoi vous appelez, qui va prioriser cet appel, parce qu'on attend un appel toutes les 10 minutes, hein, c'est grosso modo 100 000 affaires par an sur 300 000 appels par an. Donc ça crée vite, le téléphone sonne beaucoup. Qui, dans les cas d'extrême urgence, va pouvoir engager des moyens sans passer par la régulation médicale, donc sans l'avis d'expert du médecin urgentiste, et puis dans les autres cas, même après avoir envoyé des moyens, va passer l'appel à un médecin régulateur, donc un urgentiste spécialement formé pour traiter les problèmes par téléphone, et qui va devoir faire ce qu'on appelle le juste soin. C'est quoi le juste soin? Eh bien, c'est de comprendre quel est le problème posé, le degré d'urgence posé, et quelle est la réponse la plus adaptée. Alors, pourquoi je vous parle de réponse la plus adaptée? Parce que dans l'éventail de réponses qu'on a, on a différentes choses. C'est ce que vous avez représenté un petit peu en bas. Les différentes choses possibles, c'est quoi? Ça peut être, par exemple, l'envoi d'une ordonnance. On a le droit de pouvoir faxer une ordonnance à une pharmacie pour que vous puissiez récupérer des médicaments. Ça, c'est surtout si jamais il n'y a pas de médecin de secteur, par exemple la nuit profonde, 2h du matin, votre enfant il a une laryngite, on a fait le diagnostic par téléphone parce qu'on arrive à le faire, entre guillemets, facilement le diagnostic. Ah ouais, sauf que vous devez aller à la pharmacie chercher son traitement. Ouais, mais pour la pharmacie de garde, il vous faut une ordonnance. Vous n'avez plus de médecin de garde à 2h du matin. Donc deux solutions, soit vous allez aux urgences, quelquefois faire 60 km juste pour avoir un petit peu de célestène, c'est quand même pas le top, surtout pour l'enfant. Ou alors, on a la possibilité, nous, de pouvoir faxer directement une ordonnance auprès de la pharmacie pour que vous fassiez moins de kilomètres et récupérer le célestène. L'autre possibilité, ça va être le conseil médical. Par exemple, mon enfant, voilà, il y a 40 degrés de température, qu'est-ce que je peux faire? Et là, on va vous répondre, il n'y a peut-être pas besoin de voir tout de suite un médecin à cette heure-ci, il n'y a peut-être pas besoin d'aller aux urgences, il n'y a peut-être pas besoin d'envoyer une ambulance. On va vous conseiller, ce rôle de conseil.
Ça peut être, je vous envoie un médecin, généraliste, ou je vous fais déplacer jusqu'à son cabinet. Et puis, ça peut être l'envoi de moyens beaucoup plus lourds. On estime qu'il faut que vous soyez pris en charge dans une structure hospitalière. Donc, je vais vous envoyer une ambulance, qui peut être une ambulance simple, intervenant privé. Ou j'ai une question de rapidité, parce que je suis loin d'une société d'ambulance, donc je vais vous envoyer l'ambulance des sapeurs-pompiers. Ou j'ai une question de gravité. Vous faites un infarctus, par exemple. Vous faites un infarctus, je ne peux pas vous faire à la pharmacie, je peux pas vous faire un conseil médical. Il faut que je vous envoie tout de suite un moyen d'évacuation et un médecin spécialisé dans le diagnostic de l'infarctus qui va pouvoir, sur le terrain, vous traiter tout de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle les SMUR. C'est ce que vous avez ici. Et ce qui est communément appelé pour tout le monde, le SAMU. Non. C'est pas le SAMU, ça c'est le SMUR. SMUR, c'est le service public d'urgence et de réanimation. Chaque hôpital a son SMUR. Le seul qui est le droit de déclencher, c'est le SAMU qui joue le rôle de logisticien dedans. Et puis, dernier moyen pour envoyer, si jamais il y a besoin, c'est juste de vous envoyer jusqu'à un hélicoptère pour faire comme vecteur. Et donc là, vous voyez que les réponses aux questions posées, on a tout un éventail. Sauf que, c'est comme un jeu de cartes. Si je prends tous mes atouts tout de suite, pour la fois suivante, j'ai plus rien. Si je vous envoie sur une laryngite d'un enfant inscrit avec un VSAV à tel endroit, et que 10 minutes après j'ai un infarctus au même endroit, j'envoie qui? Je peux envoyer le SMUR, j'ai déjà une intervention qui fait déjà autre chose. Alors oui, c'est très bien d'envoyer le SMUR dessus, votre enfant sera certainement bien pris en charge, mais est-ce que je ne pouvais pas faire, entre guillemets, plus simple et qui était nettement suffisant? Et c'est ce rôle justement de réanimation médicale, de pouvoir adapter au problème posé la bonne réponse, de ne pas sous-estimer la problématique, mais de ne pas non plus la surestimer. Parce que j'ai tous les moyens là, je ne les ai pas en permanence, je n'ai pas foisonné. Des murs, je suis ici dans le département, c'est tout. S'il est parti quelque part, je ne l'aurai pas. Alors, à côté du CRA 15, on travaille beaucoup également avec un service qui ressemble étrangement au CRA 15, qui est Medigard, la permanence de soins ambulatoires, PDSA. C'est quand vous faites actuellement les 0120 contre 320, aux heures d'ouverture de la permanence des soins, le médecin de garde, vous avez besoin de médecin de garde, donc la nuit et où le week-end, vous arrivez à un service qui est juste à côté de nous. Moi je vous dis juste à côté, c'est nos pupilles de régulation sont ici, les pupilles de régulation de Medigard sont là. On peut se tourner à un mètre d'intervalle, aucune cloison entre nous, qui fonctionne à peu près comme nous. Vous avez une auxiliaire de régulation médicale qui va décrocher l'appel, qui va prendre vos coordonnées, votre adresse, le pourquoi, et qui va transmettre votre appel auprès du médecin régulateur, cette fois-ci de Medigard, qui est un médecin généraliste d'une association, alors qu'il n'y a pas des compétences de médecine d'urgence, mais qui a toutes les compétences de médecine générale, et qui lui va faire la même chose que nous pour les cas de la médecine générale. Envoie une ordonnance, un conseil médical, l'envoi d'un médecin ou vous envoyez chez le médecin, et si jamais il estime que le cas n'est pas de son ressort, et plutôt du ressort de l'hôpital, il va nous demander notre intervention pour faire intervenir une ambulance, une soins, etc., etc. Alors on pourrait se dire que le centre 15, c'est juste je prends les appels, je décroche et je donne la réponse. Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que dans nos missions, on a également le suivi des interventions. On va pas se limiter à envoyer le SMUR, après il faut bien que je trouve une solution pour le patient. Il faut qu'il aille dans un hôpital. Oui, mais lequel? Il faut qu'il aille dans le bon hôpital. Vous faites un infarctus, vous n'irez pas à Épinal, parce que si vous avez besoin d'une coronarographie, Épinal ne sait pas le faire. Donc il va falloir que je vous envoie sur un centre de coronarographie, Nancy par exemple. Et tout ça, c'est le rôle de la régulation, de pouvoir coordonner et de pouvoir justement trouver l'hôpital adéquat. C'est pour ça que je vous ai mis des flèches un petit peu partout, et qu'on a un téléphone, mais on a également besoin d'autres moyens, notamment des moyens radio, pour qu'on puisse communiquer avec notre flotte de véhicules, ou les téléphones, des flottes de véhicules, pour qu'on puisse justement trouver la bonne destination. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est
c'est qu'au niveau des SAMU, ça c'est la loi qui nous oblige, nous avons une interconnexion obligatoire entre tous les numéros d'urgence. Le 17 doit être en interconnexion avec le 15, qui doit être en interconnexion avec le 18, etc., etc. C'est une obligation, c'est-à-dire que vous avez des appels, alors autant nous on a un lien très fort avec le 18, autant le lien avec le 17 pas très fort, le lien est beaucoup plus fort entre le 17 et le 18, entre le 15 et le 17, et en revanche là où il y a le lien plus fort, entre le 18 et le 15. Quand vous avez un accident de la route, ben vous avez besoin des deux. Vous avez besoin des pompiers pour aller faire la désincarcération, le basélisage, etc., pour prendre en charge les blessés. Et vous avez besoin du SAMU pour apprécier la gravité des blessés et pour éventuellement médicaliser dans une structure auprès des blessés si jamais vous avez des blessés graves. Donc vous avez une interconnexion obligatoire. Alors c'est pour ça que nous on est sur une plateforme pour l'instant qui est commune. On est les uns à côté des autres entre le 18 et le 15. Et je vais juste déflorer un tout petit peu ce qui va se passer dans l'année qui va arriver. Ça fera peut-être l'objet d'un nouveau jeudi de la santé. On a décidé dans les Vosges de, entre guillemets, totalement se marier entre le 15 et le 18. C'est-à-dire que là actuellement, vous faites le 18, vous arrivez sur le même schéma que nous, mais côté rouge, côté 18, vous faites le 15, vous arrivez sur le 15. Demain, alors quand je dis demain, je peux même vous donner la date, le 30 mai 2018. Je ne peux pas vous donner l'heure. C'est ça, encore mis sur le point à l'heure. Que vous fassiez le 15, que vous fassiez le 18, que vous fassiez le 112, vous arriverez au même endroit. Le même endroit, c'est le même standard téléphonique. Donc on fusionne les deux standards téléphoniques. Donc la réception des appels se fera soit par un opérateur du CTA, soit par un conseil de réaction médicale du 15, mais indépendamment de la ligne d'arrivée, qui sera chargé, un, de recevoir l'appel, qui fera le travail que l'on faisait actuellement, mais quel que soit l'appel, de regarder le caractère d'extrême urgence vitale, alors vitale pour les patients ou pour les biens. Mais là, ça veut dire qu'une auxiliaire de réaction médicale sera capable de décrocher du feu, ma maison brûle, j'ai pas de victime, etc. Ça, bon, jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est pas traité. On se contente de prendre l'appel et de le rebalancer tout de suite chez nos amis sapeurs-pompiers. Donc demain, l'observation médicale, qui aura l'appel qui arrivera là, sera capable de vous donner les premiers conseils et d'engager les premiers moyens sapeurs-pompiers. Et ensuite, ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours une expertise, parce qu'on va garder certaines spécificités, mais au sein de la même salle, vous aurez toujours l'expertise des sapeurs-pompiers, parce qu'il y aura besoin d'expertise, d'affinement. Oui, j'ai envoyé le bon, enfin des bons véhicules, mais il y aura peut-être d'autres véhicules à mettre en route, ou c'est un problème médical, ça sera de nouveau régulé par le médecin régulateur. Donc, alors très novateur, parce que les quelques plateformes 15-18, il y a très peu de plateformes en France 15-18 avec des crochets uniques, d'ailleurs, où on fasse le 15 ou le 18, vous arrivez au même endroit. On sera a priori la troisième ou la quatrième en France, on sera surtout la première qui vont avoir et un logiciel commun, et le décrochage unique. Donc on peut faire des bougies, hein. C'est beaucoup de boulot, mais ça va être, pour vous, patients, une avancée fantastique. Alors vous avez certainement entendu parler de la guerre des blancs et des rouges, des pompiers et des SAMU, des nationales, on entend de temps en temps, ce genre de choses. Sachez que dans les rouges, il n'y a aucun problème entre les blancs et les rouges. On s'entend main dans la main, on s'entend tellement bien notre main dans la main qu'on va se marier, et avec une belle mariée. Alors juste pour vous présenter, ben voilà. Voilà alors ce qui disparaîtra au 30 mai 2018, puisqu'on va faire un petit peu de travaux, on va un petit peu casser tout ça. Et ben voilà le SAMU des Vosges. Donc vous avez quoi? Vous avez les pupitres qui sont ici, là, le pupitre des auxiliaires de réanimation médicale. Du côté là, le pupitre du médecin régulateur. Donc normalement on envoie un là, le docteur Pontigny qui est en train de réguler. Vous avez la permanence des soins ambulatoires qui est ici. Juste à côté, hein, c'est si vous repérez un petit peu, dans le fond ambulatoire, elle est ici. Et on a besoin de quoi donc pour travailler? Pas grand chose. On a besoin d'un ordinateur avec un logiciel qui va être notre dossier médical, sur lequel, dès que vous allez dire, etc., des choses, tout va être consigné.
comme quand vous allez chez votre médecin, traçabilité. On a besoin de quoi? On a besoin de téléphones, qui sont ici. On a besoin d'une radio, qui est là. On a besoin d'un clavier pour saisir les informations. Et c'est tout. C'est ça que ça veut. Ni plus, ni moins. En sachant également que, vous savez, comme tout service qui est placé le 15 du 17 le 18, pour des questions de sécurité, quand vous nous appelez, la ligne est enregistrée. Au cas où on n'ait pas compris une adresse, au cas où, etc., 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 qu'on ait besoin qu'on puisse réécouter, qu'on ne soit pas obligé de vous rappeler, parce que des fois même on n'a pas compris le numéro de téléphone. Alors, même chose, votre numéro de téléphone, même si c'est une liste rouge, va s'afficher chez nous. C'est une obligation française. Mais vous passez le 15, le 18, le 17, c'est juste pour une question de sécurité. C'est dans l'intérêt du patient. Alors pour résumer notre travail, un seul travail n'est pas aussi facile que ça. La nature nous a doté de 5 sens. Normalement, quand tout médecin qui veut faire un diagnostic, pour faire un diagnostic, il peut utiliser tous ses sens. Sauf que nous, depuis notre téléphone, on n'a pas le goût, on n'a pas l'odorat, on n'a surtout pas le toucher, alors que le médecin va plus palper, etc. On n'a pas les yeux, donc on n'a pas l'inspection, qui est un point très important de l'examen médical. Il nous reste quoi? Il nous reste lui. Et autant le médecin, il va mettre le stéthoscope, il va écouter votre cœur, il va écouter votre poumon, il va écouter vos intestins. Nous, on va écouter quoi? On va écouter des yeux à distance. C'est pas notre oui qui va entendre quelque chose. C'est un témoin qui est sur place, qui voit quelque chose, qui n'est pas du tout du monde médical, ni du monde secouriste, et qui va nous décrire des choses, pour qu'on se fasse une idée. Et puis avec le peu d'informations qu'on a, il va falloir qu'on fasse marcher notre cerveau, mais dans une contrainte de temps, parce qu'on ne va pas mettre 2 heures pour prendre la décision. 1 minute, 2 minutes. C'est pour ça qu'on est obligé de nous poser des questions. Quand vous appelez quelqu'un, oui, on vous pose des questions. Faut venir, va pas bien le malade, oui, très bien, ok, on va venir. Et j'envoie quoi? J'envoie le médecin de garde, j'envoie l'ambulance des pompiers, j'envoie la police gendarmerie parce qu'il y a notion de dangerosité, j'envoie le SMUR, j'envoie l'hélico, j'envoie quoi? Si je ne sais pas ce qui se passe, je ne peux pas savoir ce que j'envoie, je ne peux pas envoyer le juste soin. Donc on est obligé de poser des questions. Donc, pour certains, c'est vécu comme une perte de temps. C'est pas une perte de temps. Si on pose les bonnes questions au départ et qu'on nous répond comme il faut, dans les 3 minutes, parce qu'un interrogatoire, c'est à peu près 3 minutes, hein, quand ça se passe bien, maximum, ou 3 minutes, on peut se rendre compte de ce qui se passe réellement sur le terrain et de se dire le niveau de gravité pour envoyer le bon moyen. Et quelquefois, il vaut mieux perdre ces 3 minutes au téléphone plutôt que d'envoyer un moyen qui n'est pas adéquat. Parce que derrière, on a perdu beaucoup de temps pour envoyer le bon moyen. Donc, nous, comme je l'ai dit, il ne reste que oui, mais sur un témoin qui nous décrit des choses, un cerveau dans la contrainte de temps, et ça, il faut qu'on prenne une décision la plus rapide possible, et puis une décision qui soit la plus juste. Pas trop droit à l'erreur. Soit pas trop droit à l'erreur, parce que si jamais on pense que c'est pas grave et que c'était grave, on a perdu du temps. Si on pense que c'était grave et que c'était pas grave, on a perdu des moyens pour quelqu'un qui a perdu. Voilà grosso modo pour la régulation, donc le centre 15, le SAMU. Donc le SAMU, on rappelle, c'est juste un standard téléphonique, auxiliaire en réaction médicale, médecin. On est sur place, à Golbey, c'est pas nous qui nous déplaçons. Ce sont les gens du SMUR, comme le docteur Montréal pour les conseils de garde d'urgence, comme moi quand je vais prendre des gardes d'urgence, où je vais pouvoir être envoyé sur le terrain. Alors je ne sais pas comment ça se passe avec nos juges de la santé, si on enchaîne directement sur le reste, s'il y a un nombre de questions là tout de suite, sujet par sujet. C'est la plus personne. Donc on fait comme on veut. On fait comme on veut. Question là. Eh bien on va faire une question là. Alors là je vais prendre ma casquette d'ancien chef de service d'urgence, qui sont heureux de traiter l'organisation des urgences. Alors là, vous voyez, c'est très compliqué, très compliqué. Mais non, c'est pas aussi compliqué que ça. Qu'est-ce qui se passe aux urgences? Comment vous êtes pris en charge? Quel va être votre parcours et votre filière? À part attendre, 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 c'est ce qu'on entend tout le temps, on ne fait pas que ça. Et on va voir que
Même si cette diapo, ça a l'air fouillie, eh bien, c'est totalement organisé. Alors, quand je dis c'est totalement organisé, en fait, vous avez trois zones. Nos urgences sont découpées en trois zones. Vous avez la zone d'accueil, qui est schématisée en vert, la zone de soins, qui est en bleu-gris, et on a une zone d'hospitalisation des urgences, qui est en orange, qui est UHC. Alors, si on fait un petit peu le parcours du patient, aux urgences, et bien la première chose qu'il a, il arrive soit par ses propres moyens, soit en ambulance, ambulance des sapeurs-pompiers, il arrive dans la zone d'accueil où vous allez avoir les deux flux qui vont se rencontrer, et qui vont se rencontrer auprès de deux personnes, auprès des admissionnistes, c'est-à-dire celles qui sont chargées de prendre votre identité, faire les fabuleuses étiquettes, on sache qui vous êtes, parce que ça c'est quand même important, mais également par une infirmière spécialisée, qu'on appelle l'IOA, l'infirmière d'orientation et d'accueil. Je pense qu'on en reparlera un petit peu après. Alors, juste pour donner son rôle c'est de faire un tri parmi tous les gens qui arrivent, de catégoriser ces gens entre qu'est-ce qui est très 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 urgent, qu'est-ce qui est très urgent, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est pas urgent, qu'est-ce qui est pas urgent du tout, et qu'est-ce qui est pas urgent, mais pas urgent, mais pas urgent du tout. Et ça, c'est pas... On n'est pas comme à Carrefour, à la poissonnerie, on ne prend pas son ticket, et c'est pas le premier qui est arrivé qui est servi. Non, c'est le plus grave qui est servi en premier. Ceux, quel que soit son mode d'arrivée. Vous avez un infarctus du myocarde qui arrive par ses deux pieds, qui sera pris en charge prioritairement par rapport à l'entorse de cheville du footballeur du dimanche qui s'est tendu la cheville sur le terrain de foot. Heureusement. Alors, cette IOA dans les Vosges, enfin, à Épinal, elle est mise en place depuis, heureusement, fort longtemps. Et on a la chance d'en avoir une en permanence, 24 ans sur 24. Et donc, c'est une infirmière spécialisée. C'est pas n'importe quelle infirmière qui est capable de le faire. Il faut qu'elle ait un petit peu d'expérience, un petit peu de bouteille, justement, pour faire ce tri. Parce que de ce tri va dépendre de votre prise en charge. L'infarctus qui attend la salle d'attente, c'est plutôt moyen. Dans son rôle de DIOA, également, elle peut faire des premiers soins. Elle a des prérogatives pour le faire. Ben, vous vous êtes fait mal au bras, une succion de fracture du poignet par exemple, on va vous mettre le bras en écharpe. Vous attendiez, on va dire, de meilleures conditions. Elle peut vous donner des antalgiques, mais qui pour la douleur. Vous avez une plaie, elle va commencer à désinfecter la plaie, pour éviter que ça s'infecte de plus. Éventuellement mettre un petit anesthésique local, vous avez moins mal, on fera la suture. Donc elle a un rôle de premier soin. Attention, ce sont juste les premiers soins, type secouriste, ce ne sont pas docteurs. C'est pas le passage par l'infirmière d'accueil qui va vous guérir. Il faut que derrière, vous voyez le docteur. Et ensuite, elle va pouvoir vous orienter vers différentes zones, ce qu'on appelle les filières. Vous avez la filière qu'on appelle la filière déchocage. Déchocage, c'est comme dans la salle d'urgence, hein, c'est pour les urgences vitales. Déchocage, je traite les chocs. Vous avez trois tensions, vous saignez abondamment, vous y êtes. Donc déjà, un, vous n'y pas. Vous allez directement à la salle de déchocage, vous êtes pris en charge immédiatement par une équipe d'urgentistes spécialisée pour avoir les premiers soins immédiats pour qu'on vous sauve la vie. Alors ça, c'est grosso modo 1% de nos patients qui passent en permanence chez nous. C'est notre corps de métier, c'est là où on est totalement formé, on est spécialiste de ces patients, ça concerne 1% des patients. Après, vous avez la filière qu'on appelle la filière courte. La filière courte, c'est tout ce qui va concerner la petite traumatologie ou les certains cas médicaux pour lesquels il n'est pas besoin d'examens complémentaires qui vont prendre du temps. On a juste besoin d'une radiologie. Donc un examen médical qui peut être rapide, et le maximum d'examens complémentaires, c'est une radio. Parce que ça ne prend pas de temps. Radio, je fais la prescription, je fais la radio. 2 minutes de temps de radio, on descend, c'est quelque chose qui peut aller très vite. Si j'ai besoin d'examens plus complets, scanner, IRM, ou de la biologie, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures d'attente, le temps d'avoir les résultats. Et donc là, on va vous mettre dans la salle d'attente de la filière courte. Alors comme la filière est courte, vous voyez que la salle d'attente, elle est généralement vide, parce que on va y aller, on va prendre les patients un petit peu à la chaîne, hein, ça va aller très très vite, parce que
Ah, une entorse de cheville, il n'y a pas besoin de passer 4 heures pour examiner le patient pour une entorse de cheville. Donc on peut en voir beaucoup. Et puis vous avez ce qu'on appelle la filière médico-chirurgicale, c'est-à-dire ce qui n'est pas de la filière courte, ce qui n'est pas du déchirurgage. Et c'est ce qui va prendre, on va dire, le plus de temps, parce que vous avez besoin d'examens complémentaires plus compliqués que juste de la radiographie. Vous avez besoin d'un examen médical qui est plus complexe. Vous avez fait un malaise, vous avez une douleur abdominale, ben, je suis obligé de vous faire un examen complet, donc déshabiller, faire le poumon, le cœur, le ventre, les voies urinaires, les reins, la peau, les conjonctives, le ceci, le cela, j'aurais peut-être besoin de mettre une perfusion, des antalgiques, une prise de sang, une échographie, puis tu vas se transformer en scanner, etc., etc. Donc celle-là, c'est une filière qui va être beaucoup plus longue, parce qu'il y a des temps incompressibles d'attente qui vont être, alors par la suite, les examens complémentaires, et avec un examen médical qui va être beaucoup plus long, parce que beaucoup plus minutieux, parce que je n'ai pas focalisé juste sur une zone du corps, et je vais prendre la globalité de la pathologie. Alors, les grandes difficultés qu'on a sur Equinal, c'est que le service d'urgence est tout petit. Quand je dis tout petit, c'est tout petit. On a très peu de box, on a très peu de salles d'attente, et dans les salles d'attente, alors, autant on aimerait bien individualiser la zone d'accueil et les salles d'attente avant avis médical des autres, sauf que pour cette filière médico-chirurgicale, on peut avoir une attente assise, et ça c'est dans la zone d'accueil, mais malheureusement, si jamais votre état nécessite que vous soyez couché, vous resterez sur un brancard, la salle d'attente couchée se situe dans la zone de soins, et cette salle d'attente couchée, ce n'est plus ni moins que le couloir des urgences. Parce qu'on n'a pas de zone tampon, on pourrait décemment installer les patients, comme vous avez dans beaucoup d'hôpitaux des salles d'attente, vous pouvez mettre les brancards en bande d'oignon, mais un endroit, on va dire, un petit peu intime. Et bien chez nous, c'est pas possible parce qu'on n'a pas de place. Nous, à l'hôpital, oui. Vous avez vu que nous, à l'hôpital, on est en train de se construire. Enfin, 25 ans pour l'attente, celui-là. Au moins 25 ans. Ça fait 25 ans que je suis à l'hôpital, on m'a toujours dit c'est dans 5 ans. Donc, je suis arrivé. Et donc là, bah, vous allez malheureusement donc, attendre quoi ? Bah, attendre qu'on puisse vous examiner et surtout attendre des examens complémentaires qui peuvent être de la biologie. Vous voyez, j'ai besoin pour mon diagnostic de vous faire une prise de sang. Bah, bah, faut que j'attende que nos amis biologistes rendent les résultats, hein. C'est pas immédiat. Une heure et demie, deux heures de temps pour une prise de sang. C'est normal, et encore, ils vont vite, hein, c'est des automates, etc. Mais c'est incompressible. Le temps d'acheminement du tube vers le laboratoire, de le centrifuger, de mettre la machine, elle fait ce qu'elle peut. Ça peut être le temps d'attente d'imagerie. Si c'est une radio, ça va être très vite. Si c'est un scanner, ouais, le scanner, c'est plus long, l'examen, ça peut mettre une demi-heure pour le scanner. Et puis, il faut que la table de scanner soit libre. Il y a les urgences, et il y a le reste de l'hôpital. Le scanner n'est pas dédié aux urgences, il est dédié à l'hôpital, et aux gens hospitalisés, et aux gens en externe. Si jamais vous voulez passer un scanner, parce que votre médecin vous adresse un scanner, vous allez passer à l'hôpital, c'est le même que pour les urgences. Donc vous allez passer entre les patients, mais quand on peut. Et ça, on n'y peut rien. Et puis quelquefois, on va attendre l'avis spécialisé. Tiens, on a besoin du cardiologue, par exemple. Ouais, mais le cardiologue, il est pas aux urgences, il a son service à faire fonctionner, il a ses consultations, il a ses échographies, etc. Donc il va venir quand il peut. Et si on peut attendre un tout petit peu, parce que lui, ça le désorganise aussi dans sa journée, et bien malheureusement, le patient va attendre un petit peu plus longtemps encore aux urgences. Et puis on a d'autres filières qui sont plus anecdotiques. On a la filière AVC, on fait un accident vasculaire cérébral, une attaque cérébrale. Là, on a une filière qui est très rapide. Une fois qu'on a cliniquement suspecté cette filière AVC, vous êtes pris en charge par une équipe spécialisée et avec, là en revanche, vous attendez rien du tout, comme des chauffages. Sauf que c'est une filière qui est un petit peu à part, qui va passer par les urgences, mais qui est un petit peu à part. Voilà une filière qui risque bactériologique. Si vous faites une méningite, on ne va pas vous faire attendre au même endroit que tout le monde. Pour éviter qu'on mette les méningites près de tout le monde. Pas trop rigolo. Bon. Donc on a une filière spécifique. Et puis on a une filière spécifique avec les agités.
Ceux qui veulent tout casser, on ne va pas les mettre aux mêmes endroits que ceux qui attendent gentiment leur tour. Pour éviter que ça monte un petit peu en pression. Et puis une fois qu'on a le diagnostic, eh ben, l'orientation peut être de trois types différents. Ça peut être, surtout la filière courte, les poumons pleins, j'ai fait mon diagnostic, je l'ai traité, je l'ai suturé, et vous rentrez chez vous. Donc une sortie. Ça peut être la même chose depuis la filière médico-chirurgicale. J'ai un peu de douleur abdominale, je n'ai pas de colite néphrétique par exemple, j'ai une colite néphrétique, j'ai fait le diagnostic, je vous ai soulagé, vous avez plus mal, le calcul est peut-être là, mais vous avez plus mal, et bien ça peut être un traitement ambulatoire, donc on va vous laisser ressortir. Ça peut être une hospitalisation. Et là, on a deux types d'hospitalisation possibles, soit l'hospitalisation conventionnelle, donc vous allez dans le service de médecine, dans le service de chirurgie, parce qu'on sait que eh ben, ça ne va pas durer moins d'un jour d'hospitalisation. Ou alors, si on sait que ça va durer moins d'un jour d'hospitalisation, on va vous proposer d'être hospitalisé dans un petit service qui est contigu de l'hôpital, qui est géré par les urgentistes, qui est l'UHD. L'UHD, c'est une unité d'hospitalisation de courte durée. C'est pour les séjours prévisibles de moins de 36 heures, dont une nuit maximum. Par exemple, la commotion cérébrale. Vous êtes tombé, vous êtes cogné la tête, vous avez perdu connaissance. On ne peut pas vous laisser décemment à la maison, c'est une surveillance qui est un petit peu particulière. La surveillance, elle va durer 24 heures, pas plus, parce qu'il y a plus de risques au-delà de 24 heures. Donc on va vous utiliser chez nous, petit service à côté. Vous êtes revu le lendemain par un dit, donc en surveillance en permanence. Vous êtes apte à retourner à votre domicile le lendemain et vous repartez à domicile. Alors vous voyez que toutes les filières sont là. Et là, vous allez dire, ouais, mais pourquoi des fois on attend, pourquoi il y a du monde, et qu'est-ce qu'ils font les docteurs, qu'est-ce qu'ils font tout ça? Et bien en face des filières, je vous ai mis le personnel qui compose toutes les filières. Alors là, vous avez avec le petit chapeau rouge, ce sont les infirmières. Vous avez une infirmière qui fait bioa. Vous avez une infirmière, donc ça c'est la journée. Hein. Pas plus, hein. Une infirmière qui a le HD. Vous avez deux infirmières pour le déchocage. Parce que vous voyez le déchocage? Les vrais déchocages, ça va mobiliser du monde. Il va falloir agir très vite. Et puis vous avez une infirmière qui fait la filière médico-chirurgicale et une qui fait à la fois la filière courte et la filière médico-chirurgicale. Donc là c'est trois boxes. Là c'est deux boxes. Là c'est deux boxes plus deux autres qu'on a ouvertes. Et elles ont deux mains chacune. Enfin je pense. Ça va changer depuis que je suis parti. Bon, ok, donc demain, on n'a pas chinois, on n'a pas rempli de déchets là, c'est bien dommage. Si on regarde les docteurs ils sont où? Eh bien, il y en a un qui fait le déchocage. Il y en a un qui fait la filière médico-chirurgicale. Il y en a un qui fait l'UHD. Et les jours où c'est Byzance, il y en a un qui fait la filière courte. Mais les jours où c'est Byzance. Cette année, peut-être trois fois depuis le début de l'année. C'est un petit peu en sous-effectif, donc celui-là, il est pas là. Donc c'est celui-là qui fait les deux aussi. Mais il y a un gros problème. Un gros problème, c'est ça. Les SMUR. Vous savez, SMUR, on a parlé tout à l'heure avec le SAMU. Les véhicules. Et bien, à l'épidale, on a deux véhicules SMUR. Deux véhicules SMUR qui attendent prêts à partir. On a des ambulanciers, donc un ambulancier dans chaque, qui ne font que ça. Eux qui sont dans leur voiture, type départ de Formule 1, donc bon moment ou prêt à partir. Ouais, sauf que c'est pas l'ambulancier qui va faire traiter sur place. Il va falloir une infirmière et un docteur. Ouais, sauf que l'infirmière et le docteur, c'est celui-ci qui vont partir. Premier départ, vous enlevez l'infirmière là, le docteur qui est ici, on en a un. Sinon, on enlève celui-là et le docteur qui est là. Deuxième départ, ce mur. Vous enlevez la deuxième infirmière, je ne sais pas de bêtises, c'est celle du déchocage. Et le médecin lui a chaîné. Donc les journées où on est trois docteurs, mais il ne vous reste plus qu'un seul docteur pour faire tourner la boutique. Le temps que les collègues arrivent. Et là non plus, pas chinois, deux mains, deux jambes. Et donc faire, grosso modo, ce épinal, c'est 26 000 passages par an. 26 000 passages par an, quand vous n'êtes plus qu'un seul docteur pour faire tourner la boutique, vous pouvez comprendre que éventuellement, ça peut être compliqué pour gérer tout le monde en même temps
et le plus rapidement possible. Donc là, oui, on va être obligé de prioriser, de continuer à prioriser, donc le CTR, déchocage par priorisé. Et qu'on fait du déchocage, on ne fait pas autre chose. Pour votre patient, on ne va pas bien. Vous êtes auprès de lui, et vous ne voyez personne. Donc voilà, grosso modo, pour l'organisation des urgences, vous voyez, c'est quand même organisé. Ce qui va nous désorganiser le plus, c'est la sortie spéciale. Puisqu'elle n'est pas prévue, enfin, c'est à la place de. Certains grands centres hospitaliers, le CHU Nancy par exemple, parce qu'ils ont un volume de SMUR suffisant, parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens que nous, il ne faut pas se le cacher non plus, bah, eux, ils ont des médecins qui ne font que du SMUR, et qui ne sont pas prélevés sur l'activité des urgences. Nous, on est obligé, bah, comme partout dans les Vosges, comme partout dans les hôpitaux dits périphériques, on est obligé d'individualiser, de mutualiser le SMUR avec les urgences. Je l'ai fini pour le côté organisation des urgences. Oui, alors les SMUR peuvent durer longtemps. Alors c'est clair que c'est une glycémie épinale, au bout de 15 minutes on est de retour. Hein. Quand vous allez chercher un colis traumatisé qui est incarcéré du côté de Darnay, 2 heures, donc j'ai jamais le temps d'y aller, 2 heures d'incarcération, ça nous arrive quelques fois, puis qu'on va amener sur Nancy, donc vous voyez c'est grosso modo 5 heures, donc le docteur n'est plus là. Donc c'est pour ça que, malheureusement, il peut y avoir un petit peu d'attente. On est bien conscient, tout le monde, enfin toute l'équipe est consciente, mais des fois on ne peut pas faire autrement. Je vais laisser la parole au docteur Bonbonval, qui va vous parler surtout du tri. Merci Marc qui nous a déjà bien expliqué tout le principe au niveau des urgences. Et du coup, moi je vais revenir plus spécifiquement là, cette fois sur vraiment la porte d'entrée hein, des urgences qui reste à la vitrine de l'hôpital, c'est ce qui est la zone de triage. Parce que ça, la zone de triage, il faut vous conveniez, c'est encore, je pense que vous avez bien compris la notion que tout ce qui est grave ne peut pas attendre d'être posé. Mais pour vous donner un petit peu quelques pistes, comment est-ce qu'on arrive à faire ce tri et quelles peuvent être les conséquences de ce triage. Ça, c'est juste pour vous montrer que voilà, on s'en est bien compris également au niveau des urgences, on a tout type de patients. C'est-à-dire qu'on est hôpital public, on ne peut pas refuser de patients, donc on a tout et du plus grave au moins grave. C'est-à-dire que quelqu'un qui va arriver pour une plaie, on peut très bien avoir quelqu'un qui va s'être écorché avec un couteau avec une plaie de moins d'un centimètre. Et on peut avoir très bien quelqu'un qui va faire un accident de travail et qui va carrément s'amputer la main. Et les gens ne sont pas tous tolérants de la même façon au niveau de la douleur. On a des gens qui vont hurler au téléphone, on va d'emblée penser que c'est très très grave. Et à l'inverse, on a des gens qui vont minimiser leur maladie. Et on a, c'est déjà arrivé d'avoir des gens avec des doigts par exemple amputés qui vont se présenter par eux-mêmes aux urgences et qui vont dire bah, « voilà, je viens de me couper, faites quelque chose ». Les deux ne sont pas, bien sûr, à prendre en charge de la même façon et à prioriser de la même façon. Autre exemple, quelqu'un qui vient parce qu'il a du mal à respirer aux urgences. La gêne respiratoire, ça peut aller quelqu'un qui a une grippe et qui ça a mis encombré, qui du coup a du mal à respirer parce qu'il a le nez bouché. Voilà. Et à côté de ça, on peut avoir quelqu'un qui peut avoir une autre maladie pulmonaire et qui peut être bleu de la tête aux pieds, qui peut être en vraie détresse respiratoire et en détresse vitale. De personne à part que vous allez à droite, donc très bien si on ne fait rien très rapidement, cette personne va faire un arrêt cardiaque. Donc pareil, la priorisation ne sera pas la même de la même façon. On peut avoir pareil des gens qui se présentent aux urgences pour des malaises. Alors pareil, malaise, pour nous, quelqu'un qui fait un malaise, c'est vaste en fait. Hein, parce que malaise, ça peut être quelqu'un qui peut être un petit peu déprimé en ce moment, qui peut avoir des idées noires, à quelqu'un qui est totalement inconscient. Donc ça, au niveau du SAMU, vous l'avez bien compris, ça passe par un questionnement qui est indispensable pour l'envoi des moyens, et ça se répercute au niveau des urgences parce qu'on priorise à la même façon quelqu'un qui va être qui aura des idées noires que quelqu'un qui va être inconscient. Mais après, voilà, c'est juste pour montrer qu'on a tout type de pathologie. On peut très bien avoir des personnes âgées qui n'ont pas de pathologie particulière, enfin pas de maladie particulière, mais qui. Le médecin estime que le maintien à la maison devient difficile, qu'il y a une perte d'autonomie, que
il y a un risque, bon, pas à court terme, mais un risque à moyen terme, et ça peut devenir une urgence, pas une urgence vitale, mais c'est des choses qu'il faut quand même prendre en charge et où les urgences peuvent être une solution. On peut avoir des gens qui peuvent arriver avec des douleurs abdominales, donc pareil, ça peut être les douleurs au niveau du ventre, ça peut être la simple gastro-entérite à une perforation digestive, il faut prendre en charge le bloc opératoire rapidement. On a des gens qui vont se présenter parce qu'ils ont des douleurs au niveau du dos. On va avoir tous les patients psychiatriques aussi. Hein. On a des gens qui nécessitent d'être internés en hôpital psychiatrique. Avant, il faut quand même faire un examen médical. Il faut s'assurer qu'ils ont des problèmes psychiatriques et que ce n'est pas un autre problème médical en dessous. Donc, il faut faire une prise de sang, il faut faire des examens. Ça passe par chimie également. On peut avoir également des fractures ouvertes. Là, à partir du moment où on a l'os qui est apparent, bah, c'est des gens qui peuvent être pris en charge le bloc opératoire assez rapidement. Hein. On a un délai pour prendre en charge ces gens-là. Mais ça peut très bien être aussi bah, tout simplement des gens qui vont être piqués par une abeille, qui vont voir que ça gonfle et puis qu'ils n'arrivent pas à voir le médecin, qui sont très très anxieux. Et on est jeudi, les 2h du matin, ils n'ont pas de réponse et ils vont se présenter comme ça au niveau des urgences. Et on va très bien voir aussi des gens qui vont avoir des mal de tête. Alors, mal de tête, ça peut aller juste des petites migraines, là, on ne voit pas une hémorragie cérébrale. En fait, on brasse un nombre important de patients. Comme vous avez dit, mon docteur de thérapie, les urgences vitales sont... Il n'y a que 1% des urgences vitales, sauf que ce qui est important pour nous, c'est que c'est 1% qu'on ne les voit pas. On ne passe pas à côté d'urgence, qu'on n'ait pas de perte de temps. Donc en fait, tous ces gens-là, c'est un peu comme un entonnoir, en fait. Hein. Tout le monde arrive aux urgences et tout le monde passe par la case administration pour déjà savoir qui vous êtes et avoir votre identité, et également par la case infirmière. Encore une fois, qu'il me semble, on a déjà parlé, mais que vous arriviez à vélo, que vous arriviez à cheval, en ambulance ou avec les papiers, nous, ce n'est pas un critère spécifique. On verra les gens et on les triera de la même façon. C'est le moyen d'arriver n'est pas à prendre en compte. C'est-à-dire que vous arrivez avec les pompiers, vous arrivez par votre propre voiture, ça ne changera rien en fait au niveau de la priorisation. Voilà. Même au niveau des AVC. Au niveau des AVC, on va revenir après. Au niveau de l'arrivée des urgences, ce que j'ai expliqué à la première case, c'est l'instruction administrative, et donc, au niveau de l'infirmière d'accueil, elle va donc évaluer chaque patient dans un bureau qui est à côté, qui est fermé du coup pour la confidentialité médicale, et qui, en fonction de... Bon, on va le voir à l'instant là, qui va être priorisé en fonction de son état de gravité. Donc voilà, donc cette infirmière-là, qui fait ce tri, et bah, c'est comme vous expliquez le temps, c'est une infirmière spécialisée, mais bah, on peut arriver dans une situation où tout le monde arrive en même temps au niveau des urgences, et on peut avoir vite le sas d'accueil des urgences qui va 30 patients, donc il faut attendre, dans tous les cas, de voir une infirmière qui va prioriser en fonction de l'activité. Sa priorisation dépend également de ce qui se passe après au niveau des urgences. Si on est en flux tendu, de la même façon, bah, comme on l'a expliqué juste avant, lorsqu'il y a deux médecins qui sont déjà sortis, qui sont plus au niveau des urgences, on sait qu'on n'a plus qu'un seul médecin, on sait que d'emblée, les délais d'attente vont monter très rapidement, juste à temps. On est le retour des deux autres médecins qui sont partis en intervention sur un infarctus ou autre chose. Voilà, donc cette infirmière, elles sont formées et donc leur rôle principal, c'est établir les priorités. Elles sont autorisées à débuter les premiers soins et orientées vers ces filières adaptées. C'est vraiment le chef d'orchestre des urgences. Donc voilà notre grille de triage c'est une grille en fait qui a été établie par une société savante qu'on appelle la Société Française de Médecine d'Urgence. Et on marche par code couleur et par code de priorisation. On a d'abord, si vous voulez, le code rouge. Le code rouge, c'est vraiment la détresse vitale majeure. C'est ce qui représente les 1%, c'est la prise en charge qui doit être faite normalement au déchocage. Donc c'est une prise en charge qui doit être faite dans les minutes. Et l'objectif, c'est que cette personne-là, elle voit une infirmière et un médecin en moins de 1 minute. Donc ça reste relativement faible. Ensuite, on a un pourcentage un peu plus important en orange, où ça, c'est les gens où on a des lésions vitales, des lésions traumatiques qui sont sévères, qui sont considérées comme instables, mais qu'il faut stabiliser assez rapidement. Ça va être quoi? Ça va être, par exemple, une douleur thoracique, avec un enregistrement du cœur un peu
peu suspect. Donc ça va être quelqu'un qui va avoir du mal à respirer. Quelqu'un qui va avoir qui est en détresse respiratoire, par exemple, il va falloir déjà lui administrer l'oxygène, il va falloir faire des traitements assez rapides. Donc là, ce qui est recommandé, c'est qu'elle voit une infirmière dans 20 minutes et que le médecin en moins de 20 minutes. On a un petit délai de temporisation qui est acceptable. Ensuite, et là, on arrive à vraiment les trois dernières cases, c'est vraiment le plus gros en fait de nos patients. On a la catégorie 3, donc jaune, où là, c'est des atteintes fonctionnelles, des atteintes qui sont instables, mais qui peuvent être temporisées, où il n'y a pas, où le pronostic vital n'est pas engagé. C'est-à-dire qu'on va faire des soins chez ces gens-là, il va y avoir une hospitalisation probablement, des examens complémentaires, mais il y a un délai d'attente qui est acceptable. Bien sûr, ça peut être, et ça c'est toute la difficulté de l'infirmière d'accueil, c'est que ces gens, on leur donne un certain délai d'attente, entre temps il peut y avoir une dégradation ou une évolution de l'état. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'on a une dégradation ou une évolution de l'état, on peut prioriser des gens qu'on n'avait pas priorisé initialement. Exemple, quelqu'un qui vient pour une crise d'épilepsie, il va faire sa crise d'épilepsie en ville par exemple, il va terminer par les pompiers aux urgences, on va le prioriser en jaune parce qu'il va falloir faire un scanner, probablement l'hospitaliser, débuter un traitement. Et si le temps que cette personne attend, en salle d'attente, donc ces gens, on les fait souvent allonger sur le brancard, vont se mettre à refaire une nouvelle crise d'épilepsie, là on va les prioriser parce qu'ils reconvulsent, ils vont faire une deuxième crise, donc c'est un élément de gravité. Donc on va les faire tout de suite remonter en analyste et on va les faire passer voir un médecin très rapidement. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut évoluer. Donc là, c'est les gens, donc les catégories jaunes, c'est les risques, il y a un risque dans les 24 heures. Et ce qui est recommandé, c'est de voir un médecin dans les 90 minutes, qui peut être vu non pas obligatoirement en salle de déchocage, mais dans un box d'installation médicale. Et on a les deux autres filières, donc la verte et la bleue, où là, on a des atteintes fonctionnelles, mais qui sont stables, comme par exemple, on va dire une entorse ou une fracture. Une fracture fermée, par exemple, n'a pas d'urgence à être opérée. Il va falloir, c'est sûr, mettre des médicaments pour la douleur, il va falloir faire des radios, il va falloir discuter avec le chirurgien, mais il ne serait pas opéré là, maintenant, en urgence. Parce que pour être opéré, il faut être endormi, il faut être anesthésié, donc il faut voir avant l'anesthésiste, il faut être atteint, ça ne se fait pas en urgence. Sauf la situation des fractures ouvertes, là, du coup, on a des risques d'infection, donc il faut opérer rapidement. Une fracture, quelqu'un qui a une fracture par une suspicion de fracture, qui s'est tordu la cheville, qui a une suspicion de fracture au niveau du jambe, il n'y a pas d'urgence, elle peut très, tant qu'elle ne marche pas sur sa fracture, c'est ça le plus important, tant que la personne ne marche pas dessus, ça peut attendre éventuellement plusieurs heures, il n'y a vraiment pas d'urgence, en tout cas opératoire. Donc ça, ces deux cases-là sont un médecin à moins de 120 minutes ou moins de 240 minutes, sachant que ce sont des gens qui sont pris en charge, du coup, en filière courte. On fait passer parce que, comme je vous l'ai dit, le temps que tu es lancé, c'est des examens qui sont souvent courts, réduits, et on a le pronostic assez facilement. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que fait l'infirmière d'accueil quand vous arrivez au niveau des urgences? Comment? Je disais tout à l'heure que le code rouge c'est 1%, que les autres ça représente quoi Le code au niveau orange, je dirais moins 10%. Après, c'est vraiment c'est que l'estimation, il n'y a rien de. Tout ce qui est les pathologies jaunes, en fait, les lésions qui doivent être installées en box, c'est la majorité, donc on va dire entre 50, à peu près 50%, et vert et bleu, voilà, 50%, un petit peu moins. C'est à peu près ça. Oh non, c'est même. Alors, ça, c'est la classification des infirmières. Pour les docteurs, la classification clinique des malades d'urgence. La deuxième classification sur les CCMU, on va dire les plus faibles, là c'est, on va dire, c'est l'inverse de la classification des infirmières. La classe 1, c'est les malades qui n'ont pas besoin d'acte diagnostic ou thérapeutique, donc c'est une consultation. CCMU 1 plus CCMU 2, CCMU 2 c'est un acte clinique qui est stable, sans mise en jeu de pronostic vital, et qui ont besoin d'examens complémentaires et ou d'une thérapeutique. Là, c'est clair, ça c'est 80% de l'activité. 80%. Alors après, ça, voilà, les services d'urgence, oui, ça peut faire sourire. Je m'en souviens, je
Une année où on avait fait la première page de Vosges Matin, 4 heures d'attente aux urgences pour une fracture de jambe, scandale épinal. Ouais, c'est vrai, scandale épinal, évidemment, pour l'instant, c'est pas une fracture de jambe, qui est une entorse. Une petite gamine, oui, désolé pour elle, désolé pour elle. Alors j'ai demandé gentiment où était la veille du quai de la Pentecôte, aux journalistes, ben j'ai dit, bah, essayez de faire ça en médecine de ville. Voilà, il est 10h. Vous avez fait, donc il fait du sport, il fait du vélo, il est arrivé l'été, vous avez mal au poignet. Il est 10h. Dites-moi, quand est-ce que vous allez avoir votre rendez-vous auprès de votre médecin? Je cherche, il appelle, 17h. Ok, 17h. Très bien. Il vous voit, donc derrière le médecin, quel il vous voit comment, à quelle heure? Ah oui, il y aura comme 5 minutes de retard. Ok, il voit à 17h05. Allez, 5 minutes de retard. Ah non, c'est une retard. Vous avez mal à 10h. Vous vous dites, je vais me faire soigner à 10h. À 17h05, donc 7h05 plus tard, vous voyez, vous avez l'avis médical. Et puis, le docteur a dit, ouais, eh bien, c'était cassé. Donc vous passez une radio. Très bien. Vous faites un endroit, vous faites quoi? Ah, c'est aux urgences. Ah non, non, vous êtes aux urgences. Chez moi, c'est un cloaque. Vous savez que vous attendez des heures, d'ailleurs vous avez mis, même mis dans votre journal, la première page, le scandale du journal, on attend 4 heures. Ok, et eh bien donc, appelez la radio. Ah oui, sauf que là on est vendredi soir. Donc vous servez de radio, vous pourrez pas. Et vous avez de la chance. Vous avez de la chance parce que le service de, enfin, le cabinet de radiologie d'Épinal, dont je tairai le nom, exceptionnellement travaille ce samedi, et exceptionnellement peut vous prendre à, on va dire, 10h ou 11h le samedi. Exceptionnellement, parce que le rendez-vous du jour au lendemain, même pour une radio, même en cabinet de visite, c'est plutôt compliqué. Allez, cool. Allez, radio. Elle s'est cassée. Donc, qu'est-ce que vous faites? Bah, je suis urgent. Mais non, vous n'avez pas d'urgence, parce que c'est pourri. Donc, vous retournez voir votre médecin. Ouais. Sauf qu'il est midi. Il est samedi. Il est midi. Il n'est plus là, le médecin. Vous me faites quoi? Vous attendez le samedi sans rien, le dimanche sans rien, le lundi c'est dans une Pentecôte sans rien, vous allez voir le mardi. Le mardi, ah oui, c'est cassé. Il faut une immobilisation. Donc vous faites, bah, non, c'est aux urgences, c'est pourri les urgences. Donc vous allez où? Bah, il va vous chercher, faire l'ordonnance pour aller avoir la telle immobilisation. Donc vous allez à la pharmacie. Vous avez rendez-vous, vous avez beaucoup de chance, hein, vous avez rendez-vous le mardi matin. Vous n'avez pas pris rendez-vous, bon, le mardi matin en extrême urgence, c'est ça, parce que votre médecin est même sympa. Vous allez ensuite à la pharmacie, qui n'a pas forcément leur test, qui leur a éventuellement l'après-midi. Donc, grosso modo, vous êtes cassé le poignet le vendredi matin à 10h, et vous avez votre traitement le mardi à 15h. C'est vous, ce scandale? Oui. Ah. Pas forcément chez moi. Alors, oui, je suis en, on est navré quand ça arrive, on est navré. Premier, enfin, je veux dire. Mais enfin, ça va péter de cœur, hein, pas faire autrement. Pourquoi vous ne faites pas publicité? Pourquoi vous ne le dites pas? Quand vous allez dans les urgences, en général, c'est un espèce de non-slam, parce que vous ne comprenez pas toujours le mécanisme, et vous ne voyez pas également tous les opérateurs comme vous les voyez. Moi, je sais que j'ai vu l'autre fois, j'étais dans le salon d'urgence, pour une commotion à la tête, et bien, je suis arrivé là, je ne savais pas ce que c'était, le déchocage, maintenant, l'infirmière spécialisée, je ne savais pas ce que c'était. Il a fallu que ce soit les sapeurs-pompiers qui m'en parlent, et ainsi de suite. Donc, je trouve que, indépendamment des problèmes techniques et des problèmes d'effectifs, je pense que les services ne sont pas assez documentés en termes de justificatifs compréhensibles des patients. Alors, je vais traduire en d'autres termes, grosso modo, on a un défaut de communication. Alors, je suis tout à fait d'accord. C'était un des premiers travaux qu'on est revenu justement à l'infirmière. Enfin, je ne sais pas si tu en parles. L'infirmière d'accueil d'orientation, son rôle, indépendamment du fait de faire le tri, etc., c'est de vous expliquer le parcours du patient. De vous expliquer le pourquoi. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dans telle filière. Pourquoi dans telle filière? Le temps d'attente. Le qu'est-ce qui va se passer? Et une fois dans la filière, c'est du rôle. Après, c'est individuel. Moi, en tant que médecin, quand j'ai fait des études de médecine, j'ai fait mes études de médecine, non pas pour être un technicien, on a fait autre chose, on a fait ingénieur, on a fait mécano, j'ai fait parce que dans le côté
côté médical, vous avez le contact avec le patient. Nécessaire contact. Je rappelle que, mais ça, quel que soit le problème médical, c'est un dialogue entre le patient et son médecin. Son médecin, ça peut être le médecin des urgences, c'est son médecin du jour. Moi, j'ai toujours expliqué à mes patients, un, ce qu'ils avaient, deux, le pourquoi attendez, le qu'est-ce qu'ils allaient se faire, le, à quel point j'en étais de ma démarche diagnostique. Ouais, là, je pense que vous faites peut-être une plécicite, c'est peut-être machin, on va faire le scanner pour justement voir est-ce que c'est ça, si c'est pas ça. Si c'est une plécicite, eh bien, il faudra qu'on vous suive sur mes méthodes médicales, si c'est pas ça, on verra ce que c'est. Mais après, c'est de l'individu. Il y a des médecins qui proposent, des médecins qui ne proposent pas. Mais dans les urgences, c'est. Même pas dans les urgences. Chez les médecins généralistes, c'est la même chose. Chez les chirurgiens, c'est la même chose. Chez les cardiologues, etc. Il y a des gens qui ont la fibre de contact, etc. Et c'est des gens qui n'ont pas. Même mon garagiste. Les garagistes qui ne causent pas, j'ai les garagistes qui causent. Ça, c'est individuel. C'est pas de volonté de. Je fais la médecine d'urgence, donc je ne cause pas mes patients. Je n'explique pas. Non, c'est parce que dans les études de médecine, moi, je suis de l'ancienne époque. Dans une époque où jamais on nous a appris comment on faisait un entretien médical, c'est pas dans les études de médecine, ça. Le côté approche psychologique du patient. C'est là que tous les médecins font ça. Après, c'est en caractère des gens qui sont ouverts en dialogue et des gens qui sont fermés. Non. Vous pouvez même faire ça. Oui, que vos études de médecine ne traitaient pas ça, peut-être. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a plein de choses qui évoluent. Pourquoi, en définitive, il n'y a pas des, je sais pas, dans les services d'urgence, il n'y a pas des systèmes qui intercommuniquent avec le patient, avec je ne sais pas quoi, avec d'autres services. Ben si, on intercommunique. Non, mais pour au niveau du patient. Vous avez quoi, des systèmes qui intercommuniquent? Moi, je ne suis pas spécialiste, hein. Quand on a des systèmes de communication, d'intégration. Par exemple, vous pouvez voir les gens qui sont devant vous, qui sont, parce que tout à l'heure vous disiez... Ah, il y a télédateurs, vous voulez dire les... Oui, oui. Ou alors vous dites, tiens, il y a 5 personnes devant moi, et ainsi de suite. Après, les télédateurs, c'est quelque chose qui est tellement variable. Oui, mais je sais. Difficile de mettre... Je sais, mais il faut aussi peut-être informer le personnel, non, la personne, juste le patient, jusqu'à la salle. Ben ça, c'est juste... Alors, il y a le rôle de l'IOA qui va vous dire l'attente avant prise en charge dans la ligne de soins, c'est son rôle. Oui. Alors, qui au départ, elle doit vous donner une estimation qui va pouvoir changer. On va dire, on démarre mieux, par exemple. Des aléas qui font que vous avez, moi quand je vois le patient, je peux lui dire honnêtement, le combien de temps on va attendre. J'ai fait l'examen médical, la prise de sang, oui, vous allez attendre 2 heures, et puis la prise de sang. Je sais que de toute façon, je ne pourrais pas descendre sur les 2 heures. Oui, j'ai besoin d'un scalaire, donc il faut dire 2 heures prise de sang, une fois que j'ai besoin de prise de sang, je vais pouvoir avoir le scalaire. Le scalaire va y avoir un délai supplémentaire. Moi, mes patients sont informés. Non, mais je ne suis pas précis à 30 minutes près. Vous disiez tout à l'heure, par exemple, les médecins qui, au fur et à mesure des appels, des signaux s'en vont. Oui. Ben, ça, vous avez parlé à votre patient. Vous voyez ça là dans ce que vous posez des questions à la première fille que vous voyez. Autant que possible, vous l'appelez infirmière, pour que ça arrive à la fille. Et puis vous voyez tout ce qu'on en est. Bon, ben, tous les médecins sont partis en extérieur. Donc, ça veut dire que vous ne le savez pas, personne ne le sait. Vous savez. Vous êtes dans le système. Et les patients ne savent pas, donc ils s'inquiètent, ils posent des questions, ils disent pourquoi. Ça n'avance plus. Donc voilà, moi je pose la question, attends, pas. Il pourrait peut-être y avoir des petits messages, genre à la télévision, sur un écran, qui est un petit peu rapidement, succinctement, mais ça se passe, parce que les différents cas. Peut-être que dans le hôpital, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Tellement avec les moyens qu'on a, c'est. Alors ça a été envisagé, totalement envisagé. En salle d'attente de service d'urgence, le délai moyen d'attente, qui est calculé automatiquement, donc avant prise en charge, etc., qui est calculé automatiquement par le logiciel qu'on a nous, au niveau des urgences. Le seul problème, c'est que ça a un coût. Et que l'hôpital a dit ok, ça a un coût, oui. Ah oui, mais on n'a pas l'esprit. Vous voulez nous l'hôpital ou vous voulez ça? Peut-être nous l'hôpital, c'est juste 25 ans pour l'attente. Il y a un problème de moyens financiers. C'est clair. Hein. Pourquoi les services d'urgence sont tout petits, etc. Pourquoi on a attendu 25 ans la construction d'un nouvel hôpital? Problème financier, non? Et pourquoi les urgences ont des familles? Alors ça, pour poser la question à nos amis. Alors, mieux que nous disent que ça vient de chez vous, parce que
Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire. Et puis, ça ne nous intéressait pas.
sauf de soins immédiats non programmés. Et encore, c'était une infrastructure un petit peu plus lourde, mais qui s'intéressait quand même moins que d'être intéressée. Et il y avait eu un article sur le journal, ils ont ouvert quelque chose ? Alors, ils ont ouvert un cabinet médical avancé. C'était marqué que ça allait s'agrandir. Ouais. Le docteur Niveau a ouvert, donc en fait, ils ont produit ce qu'ils ont fait à essai. Donc, c'est un cabinet médical qui n'est pas aux urgences, qui est juste avant les urgences, et qui reste un cabinet médical de risque de médecine générale, pour autorisation d'urgence, quoi. Parce que c'est les urgences qui le tiennent. Mais c'est pas les urgences des lignes bleues. Là encore, le service est toujours des lignes bleues, et vous avez en poste avancé, ce cabinet médical, à grande orientation. L'article, ça allait désengorger toutes les urgences et finales, c'était le produit miracle. Ça fonctionne pas en journée, ça prend pas les patients qui sont en ambulance, voilà. Oui, l'idée c'était de prendre justement toute la partie des filières courtes, tout ce qui est petite traumatologie, parce qu'eux sont entre guillemets sur place, ils peuvent bénéficier entre guillemets du plateau technique, y compris de la radiologie qui est quand même pas très loin, c'est quand même le radiologue qui est. Juste à traverser le parking, donc un circuit entre guillemets qui est très court. Bien sûr. Après les filières courtes. Après les filières courtes, c'est pas ce qui engorge le plus nos services d'hospitalisation. Enfin, le service d'urgence, c'est ça qui engorge le plus la filière courte. Ça... Nous, il n'y a pas trop de changements finalement. Non, alors, on sait, il y a déjà une, il y avait avant qu'ils nous conseillent, il y avait une fuite de certains patients sur les urgences. Qui eux pouvaient malheureusement également attendre longtemps, vous pouvez présenter avec une clé, vous serez pris en charge par le chirurgien orthopédique, mais quand il aura fini sa prothèse de hanche, s'il a commencé juste sa prothèse de hanche, 2 heures après, vous serez suturé. Parce que c'est le chirurgien, etc., il n'y a plus qui est capable de vous le faire. Alors oui, là, eux, ils ont amélioré ce côté-là, parce que ce ne sera plus le chirurgien qui va vous faire la suture, ça va être le médecin de la consultation avancée. C'est sûr, d'autant qu'en plus, en place, vous n'avez pas les conditions financières de supporter ce qu'ils vont faire avec le risque d'aller à l'heure. J'ai pas entendu, excusez-moi. Je disais pour la ligne bleue, par exemple. Oui. Si vous allez à la ligne bleue et que vous n'avez pas, pendant le temps où le chirurgien termine son opération, l'infirmière voit un peu ce que vous faites, donc de quoi vous souffrez, et s'il s'aperçoit que vous n'avez pas la couverture nécessaire financière, vous allez à l'heure. On vous demande d'aller à l'heure. C'est privé, c'est normal. Pour les pseudo-urgences de la ligne bleue, oui, ils ont amélioré, je pense, même le côté, le côté confort du patient qui ne va pas forcément attendre, enfin, qui n'a plus besoin d'attendre qu'un praticien qui a une activité autre, qui est son lot quotidien et qui est sa journée telle qu'elle est faite, pour pouvoir traiter le cas. Mais ça ne nous a pas pris, je crois que sorti les stats depuis que c'est ouvert. Plus, mais je sais que depuis la régulation, n'arrive pas, c'est quasi impossible de mettre un patient directement dans le centre de consultation. Voilà, toujours les mêmes filières, hein, celui qui était opéré par le docteur Rintel, sur une complication du docteur Rintel, oui, on peut les adresser à l'île bleue sans trop de difficultés, mais eux, ils vont passer par la case vrai service d'urgence à l'intérieur de l'île bleue, pas le cabinet avancé. Après, il y a d'autres éléments qu'on n'a pas parlé qui favorisent également les services d'urgence, c'est. Il faut juste se dire que, au final, le service d'urgence, c'est censé être juste un point de passage et d'orientation vers les services d'hospitalisation. Et après, nous, ce qui nous bloque souvent, après, c'est les hospitalisations par la suite des patients. Si on a quelqu'un qui a un problème cardiaque, il va falloir qu'on hospitalise en cardiologie, par exemple. Quand on est fait, le service de cardiologie est complet. Alors là, on est embêté. On fait l'infirmière qui fait des tours de lit, c'est-à-dire qu'il recense le nombre de lits disponibles. Alors on a un patient qui a un problème cardiologique, on va regarder, oui, on a un lit en cardiologie, bah, c'est génial, on est content, hop, le patient va en cardiologie. Le service est complet, et bah, soit on essaye de trouver une alternative, donc on va basculer vers un service de médecine interne qui saura également traiter la pathologie cardiologique, pour avoir une hospitalisation, donc soit ça nous est déjà arrivé d'avoir l'hôpital qui est complet, c'est-à-dire qu'on n'aura plus du tout de place d'hospitalisation. Et ça nous arrive des fois, alors c'est plus souvent la nuit, parce que vous savez que les gens, on ne fait pas sortir les gens la nuit à l'hôpital. Hein. Les gens, à l'hôpital, ils sortent en fin de matinée ou en début d'après-midi. Après, il y a un temps nécessaire pour nettoyer, désinfecter la chambre. Et après, on a des nouvelles hospitalisations. On a de nouveau des lits disponibles en début d'après-midi, on va dire.
quand il est, par exemple, il est 1h du matin ou il est 2h du matin, et que moi je suis en train de m'occuper de 6 patients, et que ces 6 patients nécessitent tous d'être hospitalisés. Il y en a un qui a besoin d'aller en pneumologie, il y en a 2 qui doivent aller en cardiologie, et 3 qui doivent aller en médecine, et j'ai pas qu'est-ce que je peux faire? Et rien, si ce n'est temporiser et attendre d'avoir des lits disponibles le lendemain matin. Alors bien sûr, des fois on tente des solutions. Des fois, je connais des solutions, comme par exemple appeler d'autres hôpitaux. Donc, moi, je vais appeler l'hôpital de Romien et je vais dire voilà, est-ce que vous auriez une place? Et soit des fois, donc, ça peut être les gens qui peuvent refuser et dire bah, non, moi je veux rester sur la finale, je ne veux pas partir, parce que des fois c'est sur Saint-Pierre ou le château. Donc, des fois, les gens refusent et disent non, je veux rester sur l'hôpital. Et des fois, c'est complet au niveau de notre hôpital, mais c'est complet. J'ai mon collègue de Romien qui va me dire bah, écoute, oui, j'ai une place. En cardiologie pour ta patiente, mais moi j'en ai 3 aussi parce qu'on attend l'hospitalisation. C'est souvent c'est partout pareil. S'il vous plaît, et si le patient vit dans la clinique, à suite de ça, il y a l'hôpital d'urgence, il dit je ne veux pas être hospitalisé à l'hôpital, vous avez la clinique qui le fait. Oui, bien sûr, on appelle. Il n'y a pas de consentement tout de suite. Il faut déjà que la clinique l'accepte. Voilà, il faut que la attention. Si on refuse, on ne peut pas. Si elle refuse, j'ai pas le droit d'imposer à mes collègues. C'est de lui, par exemple. Tout dépend de l'acceptation. Mais on demande quand même une patience de faire et on ne demande pas. Alors, tout dépend. Tout dépend de quoi. Si jamais vous me demandez, là, au jour d'aujourd'hui, je vais être opéré, oui, mais à Dijon, soit on sait pas, c'est un aussi. Il dirait, oui, ok, vous pouvez y aller, vous vous débrouillez. Pour la clinique, on travaille tous les jours avec eux. On n'a pas d'urologie, on travaille avec eux, toute l'urologie par chez eux. Et moi, ça ne me pose aucun souci de. Mais quand même à la clinique. Si, dès que le chirurgien vous accepte. Alors, malheureusement, ça peut arriver, c'est là, je peux comprendre, que notamment la nuit, si jamais vous avez une pathologie qui doit être opérée, genre de casser le fémur, il est 2h du matin. On l'a fait monter aussi aux urgences, vous avez votre traitement, vous avez votre perfusion, vous avez le soin de l'heure. Et vous êtes opéré par le docteur X de la clinique. Je pense pas de souci, moi je prends mon téléphone, je vais à la clinique, voilà, j'ai madame machin, qui est suivi par le docteur X, qui avait une phase de boule fémur, tout est fait, qui aimerait bien retourner chez vous. D'accord. Je n'ai qu'une infirmière, le docteur X, il est tranquillement chez lui, en tout temps libre. Avec un programme opératoire, prend comme ça le lendemain. Et là, généralement, c'est pas de nous dire, je dis bien, c'est généralement. Ouais, il est 2h du matin, vous m'envoyez à 8h. Pourquoi? Parce que si jamais je vous envoie, vous, à 2h du matin, dans son service, vous entrez sur la responsabilité du docteur X, c'est la mienne. Ça veut dire que le docteur X doit venir vous voir, vous examiner, vous faire les prescriptions. Mais il fait ça à 3h du matin. Il opère à 7h. Il a dormi quoi? De minuit à 2h, il ne va pas se retoucher la droite. Vous imaginez la tête qu'il va avoir quand il va vous faire la porte des dents, je ne sais plus quand on va vous prendre en sortie de bloc, en fin de journée. À 8h le soir. Donc généralement, il va vous dire, vous temporisez, je le prendrai, entre guillemets, surtout pas. Ce qui, en soi, n'est pas choquant. Et moi, je dis, ok, vous restez aux urgences jusqu'à 8h, on a commandé l'ambulance pour 8h, et on vous évacue 8h, mais je confie au docteur Y sans succès des milieux locales d'épinal ou au docteur X de la ligne bleue, moi je suis le même salaire, etc. Et si je le rends au service de patient, de toute façon, comme ça, je crois que voilà, je ne suis pas plus pour l'un pour l'autre, moi je suis pour le patient. C'est donc, ça peut faire que le chirurgien. Mais le chirurgien, voilà. Après, libre à lui de refuser. Si c'est refusé, on ne peut pas le forcer. On ne peut pas envoyer de force. En revanche, le chirurgien de l'hôpital a le droit de refuser. Voilà. Service à la chirurgien de l'hôpital est pas le public n'a pas le droit de refuser quelqu'un, le privé a le droit. C'est multiplié. Il y a des grandes différences entre les deux. Alors moi, je vais juste revenir un peu sur. Ce qu'on appelle l'attente. Parce que vous avez tous en tête le délai d'attente qui est entre le moment où vous arrivez et le moment où vous sortez du service d'urgence. En fait, il n'y a pas le délai d'attente, vous avez des délais d'attente. Avec des délais qui sont incompressibles. Et c'est ça qu'il faut voir justement. Qu'est-ce qu'on peut améliorer ou qu'est-ce que malheureusement on ne peut pas améliorer. Vous avez le premier délai d'attente qui est entre l'arrivée du patient, donc l'inscription administrative, et la première prise en charge médicale. Ça, c'est lié à nous. C'est nos capacités à pouvoir
prendre en charge rapidement des patients. Ça, c'est purement imputable au service d'urgence. Ensuite, vous avez des attentes, avant sur la présentation, c'est des attentes des examens complémentaires. Et ça, moi, j'y peux rien. Prise de sang, c'est 1 heure à 2 heures, mais c'est plus simple, des fois c'est un petit peu plus, tout dépend de leur activité à eux. Et là, moi, je ne peux pas bouger ce point-là. Et puis quand j'ai mon scanner, quand le radio me dit, ok, il est 14 heures, mon scanner tourne à 18 heures. Je ne peux pas faire autrement. Je peux rien, moi. C'est pas imputable aux urgentistes et aux urgences. Et puis après, une fois que vous avez tous les examens complémentaires, vous avez remis votre puzzle en place, vous êtes au Colombo, donc vous avez vos diagnostics, vous avez trouvé la maladie parfaite, le crime parfait de la maladie, et là vous dites, il faut que je hospitalise. Quel est le délai avant l'évacuation? Ouais. Mais c'est quand je vais appeler le service de médecine et qu'on me dit, ok, ben le lit, là il est 17h, le lit sera disponible à 22h. Et j'y peux pas, les urgences. Je peux rien. Donc vous voyez que dans le délai de prise en charge globale, on peut le saucissonner. Dans le saucissonnage, il y a des choses qui nous sont imputables, et totalement imputables. Hein. Et je suis le premier à râler sur les délais d'attente entre l'inscription et la première prise en charge médicale. Moi, ma grande hantise, encore actuellement, et j'ai la même problématique au SAMU, c'est l'infarctus qui attend à sa d'attente que le milieu est passé au travers. Parce que ça peut arriver, c'est déjà arrivé, parce que c'était un petit peu plus que douteux, etc. etc. Mais ils ont mis des procédures pour que ça n'arrive pas. Ça peut toujours arriver lorsque zéro n'existe pas. Moi, c'est celui-là qui me fait peur. L'infarctus du myocarde que j'ai pris en charge, qui attend 10 heures dans le couloir des urgences, mais qui est traité parce que j'attends lui, parce que j'attends souci de tout ça, qui n'est pas de ma faute. Alors honnêtement, à part le confort du patient, et moi, j'ai pris en charge, je l'ai traité, je l'ai soigné, il n'a pas de perte de chance. Et le reste, j'en suis navré pour le patient, et s'il n'est pas content, c'est pas auprès de moi qui va pouvoir aller, c'est auprès des autres. Parce que les urgences, le patient aux urgences, ce n'est pas le patient des urgentistes, c'est le patient dans son hôpital. Et comme je l'ai vu, les différentes filières, avec les différentes filières sur l'organisation des urgences, on est tributaire de d'autres gens. Tributaire de labo, du radiologue, du spécialiste, de ceci, de cela, de la place d'hospitalisation, comme vous disiez, pour ce qui est en fait. Ça, malheureusement, je ne peux rien. Alors, je vais juste répondre, parce que ça me sorti de la tête, sur l'AVC. Il y avait une question sur l'AVC. Est-ce que l'AVC, l'ambulance va primer sur l'arrivée par ses propres moyens? Oui, ça va primer, mais pour une bonne raison. C'est que l'ambulance, l'AVC qui arrive pour ambulance, qui c'est qui a envoyé l'ambulance? C'est moi, ça fait. C'est-à-dire que j'étais diagnostiqué avant que vous arriviez. L'AVC qui est régulé par le SAMU, ne va pas passer par un gaz IOA. Alors ça va juste s'arrêter, enfin, juste côté administratif pour faire des étiquettes et compagnie. Juste l'IOA qui va dire, ok, c'est bien celui que j'attendais, pour appeler le neurologue de garde qui est déjà au courant de l'arrivée, et ensuite il va la placer directement dans sa filière spécifique. Donc, mis sur le cas d'ambulance pour l'AVC, oui, il va passer entre les dents, mais parce qu'il était régulier. Donc il y a eu le diagnostic avant, il rentre dans une filière distincte. L'AVC qui arrive par ses propres moyens, ou le diagnostic est fait par l'infirmière, il va suivre la même filière. Sauf qu'il a juste attendu avant le passage chez Ligo. Mais parce que j'ai pu faire le diagnostic en hospitalité. Et j'avais vu un reportage de 5, il disait que les soins n'étaient pas le parcours de soins n'était pas le même, arrivé par ses propres moyens et en ambulance. Pour un AVC? Oui. Chez le final, ça sera strictement le même parcours. Alors, le même parcours une fois que vous êtes à l'entrée de l'hôpital. Une fois. Et les mêmes prises en charge pour l'éducation et tout après. Je pense que la différence, c'est par exemple, au CHU à Nancy, ou au CHU à Nancy, où de la même façon, l'ambulance, en fait, eux, ils vont directement dans la partie neurologie, dans le bâtiment neurologique. Alors que quelqu'un qui va arriver par ses propres moyens va se présenter aux urgences. Donc, c'est pour ça que le parcours diffère, parce que du coup, eux se présentent eux-mêmes aux urgences, donc il faut appeler le neurologue qui va venir voir le patient aux urgences. Alors qu'au niveau du SAMU à Nancy, les gens sont pas réfléchis de la même façon, mais sauf qu'on n'aboutit pas à la même case, c'est un bâtiment de neurologie à côté, donc c'est pas la même entrée, pas le même parcours. Ouais. Ce que voulait peut-être dire le reportage, c'est que vous n'êtes pas pris en charge de la même façon en post-AVC, etc., quand vous allez dans un hôpital général,
par rapport à un hôpital qui a ce qu'on appelle une unité neurovasculaire. L'unité neurovasculaire, c'est une filière spécifique sur laquelle vous avez un diagnostic très rapide de l'AVC, un traitement très rapide. Après, vous êtes placé en unité de soins intensifs de neurologie, une sorte de mini-réanimation, sur laquelle vous avez tout de suite des soins alors, optimisés, d'être surveillé, scopé, machin, une rééducation très précoce, etc. Ça, tous les hôpitaux ne le font pas. Alors, on a la chance dans les Vosges, même si les hôpitaux ne le font pas, on a comme des filières qui permettent d'accéder à ceci. Mais ça, c'est entre guillemets relativement récent. Il y a 5 ans sur Épinal, oui, vous n'étiez pas traité de la même façon à Épinal qu'au CHU de Nancy. Parce que sur Épinal, il n'y avait pas cette unité neurovasculaire à l'époque. Donc, ouais, vous pouvez traiter l'AVC, vous pouvez avoir de la kiné, mais avec l'équipe, il y a des moyens kinés de l'hôpital, donc une séance de rééducation tous les 3 mois. Quoi. Et puis après, vous trouvez la raison. Pas optimisé, pas machin, pas ceci, pas cela. Vous y allez au CHU. Oui, là, c'est optimisé, la kiné c'est 3 fois par jour, la prise d'attention c'est toutes les 5 minutes, si jamais vous faites un petit peu de travers tout de suite, on va vous donner quelque chose. Ce qu'on a maintenant à Épinal, mais il y a 5 ans non. Et il coexiste encore, alors dans les Vosges, je vous dis, on s'est organisé en termes de filières, dans tous les hôpitaux vosgiens, il y a qu'une seule unité dans les Vosges, c'est Épinal, qui va traiter les AVC de Remiremont. Les autres hôpitaux, que ce soit Neufchâteau et Vittel, Neufchâteau et Saint-Dié, vont faire le diagnostic d'AVC, vont faire la télémédecine avec Nancy. C'est une question d'injecter un produit qui va pouvoir dissoudre le caillot que vous avez dans la tête. Ils vont le faire tout de suite dans leur service d'urgence. Et ensuite, le patient va être transféré sur Nancy pour la suite. Parce que, c'est plus facile d'aller de Saint-Dié à Nancy que de Saint-Dié à Épinal. La route est beaucoup plus directe, même chose entre Neufchâteau et Nancy, par rapport à Neufchâteau et Épinal. Mais la différence entre, excusez-moi, ouais. La différence entre le CHU central et Brampton, il y en a ou pas? Alors, c'est la même entité géographique. Oui, mais par rapport. Sauf que les services ne sont pas les mêmes. Voilà. Alors, vous imaginez, c'est le même hôpital, sauf qu'on a mis des services à Brabois et d'autres services à Central. Il n'y a aucun service qui sont dénouvelés. Il y en a un qui est plus spécialisé en quelque chose. Donc, en centrale, vous avez les urgences, vous n'êtes pas à Brabois. Vous avez les services de réanimation médicale chirurgicale, c'est les seuls services qui sont dénoublés. Vous avez la neurochirurgie, que vous n'avez pas à Brabois. Vous avez la chirurgie générale d'urgence. Sur Brabois, vous avez toutes les spécialités médicales, la cardiologie, l'endocrino, la diabéto, la pneumologie, que vous n'avez pas à Central. Tout va remonter en fait. L'objectif, c'est que dans 10 ans, tout ce qui est à Central remonte à Brabois. C'est un c'est le même hôpital, sauf qu'ils ont mis des pavillons. C'est comme si c'était des pavillons différents. Même dans son train, vous avez des pavillons différents. Le pavillon Krug, qui est à côté du pavillon, ou comme sur nous, sur Épinal, entre le pavillon Schumann, vous avez la néphro et la neurologie, et l'autre partie du historique du plateau de la justice. Bon. Sauf que là, il y a beaucoup plus de distance que juste une année. Vous avez des scans, monsieur. Tous les systèmes de PET-SCAN qui est sur Brabois, etc. Ah bon ? Oui, mais PET-SCAN à Brabois maintenant. Ça change. Tout est voué à monter là. On fait monter la maternité. La maternité aussi va monter à Brabois. On détruit l'hôpital d'enfants, ils vont faire un pôle mère en ville. J'ai que l'hôpital qui va y avoir un scanner, je ne sais pas dans le scanner que. Je ne sais pas dans le scanner que. Je ne sais pas. Je ne suis pas persuadé. L'avantage, c'est que dans le hôpital, on aura deux scanners. Il y aura un scanner qui sera dédié exclusivement aux urgences. Ce qui nous pourra permettre de réduire un petit peu. Il y a même si c'est trop. Oui, on se met à l'hôpital. On aura un scanner dédié que pour les urgences. Un pour l'hôpital et un. Et deux scanners, ça veut dire qu'on a deux fois plus de personnel, deux fois plus de médecins. Les radiologues, on a déjà du mal à avoir ce les télégirales, j'ai toujours très longtemps. Mais ça, c'est le mal français. Hein. C'est, parce que il arrive un investissement, un investissement qui est faramineux, et vous avez eu le trou d'asile. Donc c'est un peu ça. Hein. Ok, nous, on est les premiers tourneurs, plus de scalaires, plus d'IA, plus d'écho, plus de tout ce que vous voulez. Donc le côté
de bah, comment combler tous les écoles sociales. Alors juste pour recentrer, on continue les questions après, on va élargir. Donc en fait, l'infirmière d'accueil, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on va dans un box confiné et que systématiquement, il y aura une prise de constante. La tension artérielle, fréquence cardiaque, la température, la saturation. L'interrogatoire, du coup, qui est important, donc c'est pour ça qu'on va vous poser un peu des questions, par des fois plus détaillées. L'élément important, c'est qu'elle peut mettre des protocoles anti-douleur, avec une évaluation de la douleur qui est systématique. Donc, la douleur, c'est un des premiers éléments où, à l'arrivée des urgences, on peut déjà traiter, et sont protocolés. En fonction de la douleur, quelque chose de subjectif, comme je l'ai parlé tout à l'heure, quelqu'un aura une fracture, on aura pas mal du tout, et puis à l'inverse, quelqu'un qui m'entoure aura une douleur à 10 sur 10. Et bien, en fonction de votre échelle, vous allez vous demander d'évaluer la douleur de 0 à 10. 0 plus douleur à 10, la pire des douleurs imaginables. Et en fonction de votre réponse, on peut vous donner des médicaments à la douleur qui sont adaptés. Et ce qui est important aussi, c'est que la douleur, après, ça se réévalue. Et après, si la douleur persiste, on peut, si besoin, monter les doses après le traitement. Et elle peut éventuellement effectuer les premiers soins de pansement ou de désinfection. On a un protocole spécifique pour la douleur thoracique, parce que comme on en parlait tout à l'heure, bah, les gens, il y a 10 personnes qui vont venir par exemple pour la douleur thoracique, et sur la liste, il y en a une qui va faire un infarctus. Et c'est cette personne-là qu'il ne faut pas louper. Donc tous les gens qui vont se présenter au niveau des urgences pour des douleurs à la poitrine, c'est peut-être que l'occasion, on va déshabiller les gens dans ce bureau-là, et on va leur faire ce qu'on appelle un électrocardiogramme, un enregistrement du cœur. Vous voyez un exemple là sur le diaporama. Et dès que l'infirmière a fait cet enregistrement du cœur, systématiquement, elle va le montrer à un des médecins qui est actuellement au niveau des urgences en train de travailler sur d'autres patients. Et à ce médecin-là spécifique, elle va lui montrer, elle va lui expliquer l'histoire. Bah, là, j'ai une dame qui se présente, qui a tel âge, l'histoire clinique, et lui montrer l'enregistrement du cœur. Et c'est le médecin qui va dire à ce moment-là, bah, c'est un exemple, oui, bah, je suspecte un infarctus, comme on peut le voir là. Sur l'enregistrement du cœur, et on va les prioriser tout de suite pour ne pas perdre de temps et pour éviter de traitement tout de suite. Soit on dit bah, l'enregistrement du cœur est normal, c'est rassurant, donc on n'est pas obligé de la prioriser en extrême urgence, on peut temporiser. D'accord, c'est aussi, c'est grâce à ça. Est-ce qu'il peut y avoir un infarctus sans qu'il y ait douleur? Oui. Oui, ça peut exister. Oui. Il y avait dit. Mais oui, ça peut exister. Ou une douleur et puis après plus rien. On peut, c'est pour ça que des fois on peut faire des enregistrements du cœur, c'est des gens qui font des malaises. Et ça c'est à l'interrogatoire aussi. Si l'infirmière a un interrogatoire, elle sent. Alors si c'est quelqu'un qui dit je me suis pris les pieds dans le tapis, je suis tombé par terre, on part vraiment sur un problème, voilà, c'est pris les pieds. Et quelqu'un qui dit j'étais en train de monter les escaliers, je me suis évanoui, je ne me souviens de rien, voilà. L'histoire est un petit peu bizarre, on peut aller faire l'enregistrement du cœur pour de façon systématique. Pour voir s'il n'y a pas un infarctus qui peut être masqué, mais sans douleur, oui, ça arrive de temps en temps. Et si la douleur s'arrête, est-ce que le cœur souffre encore? Si la douleur s'arrête, c'est possible. En fait, la douleur, c'est une défense hein, de votre corps pour vous permettre de réagir, de dire qu'il y a une nouvelle chose, mais c'est pour vous alerter. Donc, la douleur, c'est sûr que c'est embêtant, mais c'est une alerte. Après, c'est pas parce qu'on a très très mal que c'est grave, et inversement, on a des situations où on n'a pas de douleur et ça peut être embêtant. Typiquement l'AVC. Du coup, l'AVC, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de mal de tête, et c'est pour ça que les gens ne s'inquiètent pas parce qu'ils n'ont pas de mal à la tête, mais on peut y déclencher un AVC alors qu'on n'a aucune douleur. Et ça nous arrive des fois qu'on a des gens qui se présentent aux urgences, qui ont fait un AVC depuis 2-3 jours, et qui se présentent seulement maintenant parce qu'ils n'arrivent plus à bouger le bras depuis 2-3 jours, et qui s'inquiètent seulement maintenant. Voilà. Donc, la douleur, c'est quelque chose qui est subjectif, qui se traite, mais qui est en même temps une alerte. En fait, il faut intervenir tout de suite. Quoi. L'objectif de la douleur, c'est de la soulager, mais après, c'est de savoir pourquoi il y a cette douleur. C'est si c'est grave. On n'a pas intérêt à attendre, nous, si t'as l'âge. Tout dépend de si on a plus mal. Si on a plus mal, si on a plus de douleur. Alors, après, tout dépend. Alors, on va prendre l'exemple de l'infarctus. Les infarctus qui continuent à être. Infarctus, c'est quoi? C'est un des vaisseaux nourriciers du cœur, les artères coronaires, une de ses branches, qui est bouchée, totalement bouchée. Qui est bouchée hein. Et ce qui fait que une partie du cœur reçoit plus d'oxygène. Donc, en souffrance, et quoi pas, c'est-à-dire vous avez des douleurs. Alors, à la question de si jamais vous n'avez plus de douleur, est-ce que
l'artère est toujours bouchée. Non. L'artère est toujours bouchée, vous aurez toujours quelque chose. Mais quelque chose qui n'est pas forcément une douleur, ça peut être une gêne, une pesanteur, un poids. Mais ce n'est pas normal. Mais pas forcément une douleur très aiguë. En revanche, une artère qui s'est bouchée et qui s'est redébouchée, oui, votre cœur, à l'instant-là, ne souffre plus. Et qui nous dit que dans 20 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps, ça ne va pas se reboucher cette fois-ci définitivement et faire que votre cœur, là, il va souffrir beaucoup plus. C'est la même chose pour les accidents ischémiques cérébraux. La même chose. C'est la distinction entre un accident ischémique transitoire, donc un vaisseau qui s'est bouché. Il s'est débouché, donc il y a eu des signes cliniques d'AVC. Perte de la parole, perte de vision d'un œil, perte de force d'un bras. Et vous avez récupéré tout ça dans les. Normalement, c'est 24 heures, généralement, c'est dans les 15 minutes. Alors oui, vous n'avez plus de séquelles, c'est très bien. Mais il faut que ça vous alerte. Si le vaisseau s'est bouché, vous avez beaucoup de chances qu'il se soit débouché, il va pouvoir se reboucher. Et donc, il va falloir qu'on fasse de savoir pourquoi il s'est bouché, et donc traiter le pourquoi il s'est bouché. Que ce soit le cœur ou votre cerveau, c'est exactement la même chose. C'est l'action ischémique transitoire versus AVC, ou ce qu'on appelle l'angor instable, ce qu'on appelle avant l'angor instable, l'angine de poitrine instable, versus la partie du myocarde. Justement, là, c'est un signe d'alerte, ça c'est bouché ou débouché, mais il faut mettre tout en route le plus rapidement possible pour que ça ne se rebouche pas. Donc, oui, même si c'est plus mal, vous avez une douleur thoracique qui est typique, qui ressemble à un infarctus, qui a duré 15 minutes, et puis là, vous avez plus mal, il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est un signe, il s'est passé quelque chose. Alors, on va revenir sur les délais d'attente, etc. Oui, quelquefois, on vient dans une urgence pour rien. Genre là, vous pensez faire un infarctus, vous avez plus mal, etc. Et puis on va vous dire, parce que la douleur était typique, etc., que bah non, finalement, c'est pas un infarctus, c'est autre chose. Vous allez être très déçu. Puis même gêné, je suis venu, je pensais avoir un infarctus, et puis j'arrive à partir, j'ai rien. Là, vous n'avez rien, mais. Vous n'avez rien parce que vous avez l'année médicale, hein, vous avez, enfin, deux, vous avez eu le CG, trois, vous avez une première biologie, quatre, vous avez une deuxième biologie pour la contrôler trois heures après, et à l'issue de tout ça, j'ai pu dire, c'est pas un infarctus. Entre ce n'est pas un infarctus ou c'est rien, c'est pas la même chose. Alors il y a des gens qui viennent pour réellement rien, genre une angine de nez qui coule, ça nous arrive de voir ça. Alors oui, ça c'est intolérable de venir aux urgences pour le nez qui coule. Mais de venir aux urgences pour une suspicion d'infarctus et de dire que parce que j'ai passé du temps, parce que etc., finalement c'est pas ça, il faut bien venir. Moi je vous dis, bravo, vous avez bien fait de venir. Ouais, vous sortez, vous vous dites c'est pas un infarctus. Un, vous pouvez être content, déjà, le cœur il va me préserver. Et deux, j'ai pu l'éliminer parce que j'ai fait des examens complémentaires, etc. Je m'en suis préoccupé parce que c'était occupant. Et les examens complémentaires, ça consiste en quoi, biologie, à la vie du sang? Alors, biologie, analyse de sang, l'électrocardiogramme, donc première, voilà, les troponines, le point de troponine qui est normal, on va prendre un point de rater pour être sûr que c'est toujours normal, c'est une deuxième mesure, etc. Et on peut faire d'autres examens, échocardiaques, etc. Ça vous parle encore une question, et le syndrome de Takotsubo, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ah, le Takotsubo. Est-ce que c'est moins grave que la l'infarctus? Bonsoir, Gabriel. En fait, c'est du Takotsubo? C'est un médium, l'infarctus. C'est un peu ce qu'on appelle la maladie d'amour. C'est souvent après la perte d'un être cher, on a cet équilibre par un japonais. Ça fait le cœur de cœur en fait. Hein. Et on a un espace au niveau de ces artères-là. Souvent lié à un chagrin ou une perte ou une anxiété. Et ça peut mimer par espace au niveau des artères comme un infarctus. Parce que c'est les artères qui ne sont pas bouchées et qui vont aller se spasmer, donc qui miment l'infarctus. Donc c'est l'équivalent. Ça revient au même. Sauf que c'est, entre guillemets, plus facilement réversible que l'infarctus. Dans l'infarctus, on va prendre juste une sorte de plomberie de jardinage. C'est votre tuyau d'arrosage qui est branché sur le réseau d'eau. Et puis, je vous mets du ciment dans votre tuyau d'arrosage. Puis vous ouvrez le robinet, vous aurez quoi? Vous aurez rien. Ça, c'est l'infarctus. Rien. Le Takotsubo, vous imaginez, je ne mets pas de ciment dans. Votre tuyau, et puis je suis avec mon pied en train d'écraser de temps en temps le tuyau. De temps en temps, vous n'aurez pas d'eau, de temps en temps, un petit peu d'eau. Donc, entre guillemets, le cœur va souffrir, mais de façon, entre guillemets, moins importante que l'infarctus, c'est que vous faites plus facilement réversible.
C'est pour ça que devant les douleurs thoraciques suspectes, c'est d'où là, on demande aux gens, je ne sais pas, d'appeler le 15. Parce que quand nous, en posant les questions au niveau du téléphone, on a parlé tout à l'heure, on a des signes cliniques, des éléments qui nous font suspecter un infarctus, on peut envoyer du coup un SMUR à la maison, donc un médecin qui va venir à la maison, et nous, on peut faire cet enregistrement-là du cœur. On le fait au domicile. Et à ce domicile, dès qu'on a un enregistrement du cœur qui est spécifique comme là, on n'a même pas besoin de prise de sang parce que nous, notre diagnostic, il est fait. Et on sait que l'artère est là. Donc faire une prise de sang, ça va être une perte de temps, parce qu'on va attendre 1h30 pour avoir un résultat, mais on sait que ça va être enfin, le marqueur qu'on veut voir, on sait qu'il va être augmenté, donc ça n'a aucun intérêt. Donc là, on va aller directement pour aller déboucher l'artère vite. Mais des fois, on a des enregistrements du cœur qui ne sont pas aussi francs que celui-là, qui sont un aspect un peu normal, et où là, par contre, c'est la prise de sang qui va nous montrer qu'il y a une anomalie. Donc là, la prise de sang, on n'a pas le choix, on est obligé d'attendre 1h30. Et des fois même, pour être sûr qu'il s'est passé un problème cardiaque, on fait ce qu'on appelle une cinétique, c'est-à-dire qu'on va refaire une deuxième prise de sang 3 heures après, pour voir si le résultat qu'on a, ça continue à monter. Si on voit que le résultat qu'on a eu continue à monter, on doute que c'est pour avoir un problème cardiaque à ce moment-là. Et là, je reprends ma casquette de médecin régulateur directeur de SAMU. C'est là où vous comprenez l'importance de l'interrogatoire. Les 3 minutes de questions qu'on va vous poser, on a l'impression que pour certains de vous embêter, c'est pas pour vous embêter. Quand vous dire, vous nous appelez, bah, vous venir, il y a mal dans la poitrine. Ok, mais il y a mal où? Elle dit qu'il y a mal dans la poitrine. Ouais, il y a mal dans la poitrine, mal dans la poitrine. Il y a mal dans la poitrine, et ça, de la mal dans la poitrine pour autre chose. Et moi, j'ai besoin de savoir, justement, est-ce qu'il y a une forte suspicion d'infarctus du myocarde ou pas? Parce que si j'ai une forte suspicion d'infarctus du myocarde, je vais envoyer non seulement le vecteur pour vous évacuer, mais surtout le médecin des urgences qui va venir sur place, qui va vous faire le CG, qui va mettre en exergue ceci, et qui tout de suite va mettre en place une thérapeutique pour préserver votre cœur, et qui va vous envoyer par un centre de coronographie, donc là où on est capable de vous déboucher les artères. Si jamais je vous envoie une ambulance parce que j'ai mal à la poitrine, vous m'embêtez avec vos questions à la chenoc, là vous m'approchez. Ok, bah, l'ambulance il va arriver, mais l'ambulance, ça c'est un acte médical, hein. C'est pas l'ambulance qui va faire ça. Ok, il va prendre le patient, on va vous ramener aux urgences. Donc l'aller, le temps de l'ambulance qu'elle arrive, qui change le patient, vous amener sur l'hôpital, et puis là, les premiers soins que je vais faire, c'est l'hôpital. J'ai perdu beaucoup de temps. 3 minutes d'interrogatoire, il va me dire oui, il va falloir que j'engage un SMUR parce que ça ressemble étrangement à ceci qui va être confirmé par le SMUR, versus 45 minutes, 1 heure de l'attente. Plus le temps passe, moins vous avez de cœur. Vous voyez, quelquefois, ces 3 minutes là, ce ne sont pas 3 minutes de perdu, c'est 3 minutes gagnées pour tout passer. Vous avez une crise d'angoisse, ça ne fait pas la douleur, c'est pour ça qu'on va poser des questions. Où vous avez mal? Après, c'est, on va dire, un score de probabilité. Vous avez mal, ce sujet. Allez, 20 ans, sujet jeune, donc aucun antécédent, qui fume pas, qui prend pas la pilule, aucun facteur familial, qui vient juste de se faire larguer par son copain, qui a mal à droite, actif de pincement à droite. Ouais, probabilité que je vois ça à l'ECG, 0,0001%. Donc là, ouais, on va dire qu'ils angoissent, etc. Ce que vous voulez, mais pas un infarctus. En revanche, le patient, 60 ans, tabagique, qui a du cholestérol, qui vient de faire un effort, qui se plaint d'une douleur thoracique rétrosternale, donc là, non pas à gauche, là, qui va irradier dans les vaisseaux du cou, dans l'épaule gauche, qui a l'impression que c'est comme un poids, quelque chose qui sert comme un étau, oui, mais là, ça ressemble étrangement à un infarctus. Dans tous les cas, je vais le considérer comme tel, jusqu'à ce que j'ai la peur du contact, ce ne soit pas un. Donc là, on va vous envoyer le soin sur place pour faire ce diagnostic électrique. C'est ça, bingo, j'ai gagné, c'est pas ça. Bah, tant pis, mais bon, la probabilité était telle que j'ai pas d'autre choix que de vous faire ça. Ou alors, je fais prendre ma chambre beaucoup trop de risques. Ça, c'est pas dans nos habitudes de médecin. Donc, c'est pour ça, les 3 minutes, voilà, c'est. J'ai mal à la poitrine, il faut venir pour m'approcher. Ouais, j'ai mal à la poitrine, qui, quoi, comment, les antécédents, les facteurs. Je peux pas me faire une idée de ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que peut être le diagnostic derrière? Vous voyez, entre la jeune fille de 20 ans qui est angoissée et 60 ans à part du flégu, c'est pas du tout la même orientation, c'est pas la même prise en charge, c'est pas même, du tout la même paire de chances pour le patient. Voilà, excusez-moi, encore, c'est au niveau de la récupération. Au niveau de la récupération, comment ça se passe après un infarctus?
Et bien, le plus tôt c'est traité, le meilleur en récupération de bras. Après, le plus tôt on prend en charge pour invoquer de nécrose, en fait, ça c'est le pire qui se détruit, meilleure récupération de bras. D'où en fait ce facteur temps qui est très très important, de perdre le moins de temps possible. Après, il y a des situations aussi où même lorsque le cardiologue fait son examen, des fois le cœur est des fois tellement bouché qu'il a, il n'arrive même pas en fait, à aller mettre un petit ressort pour aller ouvrir, pour refaire circuler le sang. Après, c'est tellement bouché qu'il n'y a pas de possibilité et qu'il peut y avoir des séquelles à ce moment-là. On ne le sait pas là, pour ceci. Dans la récupération, vous avez deux stades. Vous avez le stade de souffrance de la cellule musculaire. Elle souffre, mais elle n'est pas détruite. Et vous avez le stade de destruction de la cellule musculaire. Une fois qu'elle est détruite, elle ne repousse pas. La cellule cardiaque ne repousse pas. Le but, justement, ça va être d'éviter qu'une cellule en souffrance se transforme en cellule morte. Donc c'est là qu'il va falloir agir le plus tôt possible. Et le plus vite possible. Le plus tôt, le plus vite. Grosso modo, on donne allez, 2 heures de temps jusqu'à ce qu'on ait débouché l'artère. Au moment où vous avez le moment où l'artère est débouchée. Mais je vous dirais même, si je suis à 3 minutes, c'est mieux que si je suis à 1h57. Plus je suis tôt. Alors, mon maître a pensé, celui qui m'attend en médecine d'urgence, Dr. Holstein de Lille, m'a toujours dit time is muscle. Le temps, c'est du muscle. C'était les débuts de la thrombolyse où on pouvait injecter un produit qui dissout quelque chose. Alors, qui marche moins bien que les techniques de coronographie, mais que quand on est trop loin de son coron, c'est ce qu'il va falloir faire. Donc, plus le temps passe, et plus le muscle cardiaque, vous allez perdre fibre musculaire. Il faut perdre fibre musculaire. Alors, le cœur, il sert à quoi? Le cœur, c'est un muscle qui se contracte et qui sert à chasser du sang de ses ventricules vers les artères. C'est une partie qui est morte. Ça ne se contracte plus. Donc vous avez juste une petite partie du cœur qui va se contracter. Donc vous avez moins de sang qui va passer dans les artères. Donc vous allez avoir moins de sang qui va aller dans vos organes. Votre cerveau, vos poumons, votre foie, vos intestins, etc. etc. Et à l'effort, c'est même plus possible. Vous n'êtes plus capable de faire un effort. Et puis vous allez vous donner une souffrance des autres organes. Donc le but, c'est d'arriver le plus tôt possible pour préserver justement cette force musculaire au niveau du cœur. Et de limiter le plus possible ce qu'on appelle la zone infarcie, la zone qui est morte, détruite. Oui, je reviens justement au centre d'appel. Imaginons des seuls, on a juste le temps de faire le numéro de téléphone du pompier, on s'écroule devant le téléphone. Oui. Le numéro s'affiche. Oui. Alors. Est-ce qu'on peut espérer avoir du secours? Non. Il y a tout le monde en carte bleue. C'est rassurant. On va être clair, tout le monde en carte bleue. Mais bien sûr, oui. Alors. Le gros problème. Alors, si vous êtes au téléphone fixe, facile, la lumière inversée, on a votre adresse. Quelques marqueurs, on ne l'a pas. Donc, nous, ça s'affiche automatiquement, etc. En sachant qu'on a juste une petite difficulté, c'est qu'au 1er septembre 2017, France Télécom arrête la lumière inversée. Donc, il y a le ministère, je ne sais plus, des télécommunications qui a mis en place un système qui nous coûte 20 000 euros pour le mettre en place, plus un abonnement à je ne sais pas combien de centaines de milliers d'euros par an, pour qu'on puisse récupérer ça. Donc, oui, on a votre adresse. Oui, vous nous appelez, et puis derrière, il n'y a plus rien. C'est ce qu'on appelle une non-réponse aux appels, et là, on va vous envoyer du monde de suite. Alors, le monde de suite, ça va être ce qu'on appelle la levée de douze. Ça va être compliqué. Votre porte est fermée, pas de bol, mais c'est pas grave. Alors, je dis c'est pas grave. Les pompiers, j'ai eu l'appel avant. Je sais que donc vous êtes à l'intérieur de votre maison. Donc je sais que, grosso modo, il y a un problème urgent. Les pompiers ont le droit de défoncer votre porte pour casser votre fenêtre. On est dans le cadre de la sauvegarde des personnes. Ils ont l'autorisation. En revanche, vous appelez pour votre voisine qui a les volets fermés et qui n'est pas là, ça fait 3 jours qu'il n'a pas entendu, etc. Ils ne vont pas défoncer la porte. Ils vont attendre que les places aient une mission forte de l'ordre. On doit venir, c'est envoyer, voir ce qui se passe. Le problème qu'il y a, c'est si jamais vous appelez avec votre portable et que vous n'avez pas le temps de donner votre adresse. Donc on sait à quel téléphone vous êtes, mais on ne sait pas où. Sauf que
Alors, quand on sera en septembre 2017, donc bientôt, quand on sera sous la PFLO, donc accordé à ça, les services de communication ont mis en place un système de triangulation avec les portables, donc vous serez géolocalisé. Mais alors, la géolocalisation va être très approximative, hein. Ça va être à un kilomètre près. Et ça, c'est si vous savez que vos portables, pour ceux qui ont iPhone ou Android, etc., vous avez le taux de géolocalisation. On peut vous suivre avec le portable. Hein, vous pouvez tracer. Vos opérateurs peuvent tracer. Moi, ils peuvent tracer parce que je suis en non géolocalisé. Alors, si jamais vous êtes en géolocalisation pure et dure, ceux qui ont dit oui à géolocalisation, oui, ma confidentialité, géolocalisation, oui. Là, on va pouvoir vous retrouver avec les coordonnées GPS au millimètre près. Ceux qui ont mis non comme moi, eh ben on retrouvera avec un rayon de 20 km. Portable ? Oui. Non. Portable, ouais, portable. Alors portable, au jour d'aujourd'hui, le portable. Alors quand je suis sur un portable, je vais tenter de. J'ai le droit de demander à l'opérateur qui est le portable votre adresse. J'ai le droit. La loi me l'autorise. Parce que je suis en cas de sauvegarde des personnes avec le mise en jeu de la email. Donc je vais leur demander. Donc ils m'ont donné une adresse. Et votre adresse, c'est de facture. Si vous n'êtes pas chez vous, on est chocolat. Et puis on a un gros problème, c'est que vous avez des sous-traitants. Alors autant avec France Télécom, avec les opérateurs habituels, SFR, France Télécom, Bouygues Télécom, là il est transparent, donne l'adresse de facturation très rapidement. En plus, très rapidement, ça fait quand même 15 minutes hein, pour le faire. Autant vous passez par un sous-traitant, la sous-traitant, c'est vraiment la foire en rue, vous n'avez rien. J'en veux juste une histoire, mais une histoire de chasse, hein, moi qui m'a marqué, sur un coup, ben, j'ai vu si c'est un canular ou pas, sur un appel à portable, c'était l'hiver dernier, un portable on où on n'a pas compris l'adresse. On n'a toujours pas compris, même en écoutant 10 fois les bandes, 10 fois les bandes. On a pu comprendre que c'était une petite gamine qui s'était défenestrée. Donc, boum. Du côté de Rambervillers, alors on a cherché partout, avec nos amis sapeurs-pompiers et avec les gendarmes de Rambervillers, on n'a jamais trouvé. Alors, on a fait tout Rambervillers, toutes les adresses qu'on a pu comprendre. Et là, on a l'opérateur qui nous donne ce qu'on ne trouvait pas, et on a eu la réponse 4 ou 5 mois après. Bon, a priori, c'est un annuleur. Heureusement, parce qu'on a réussi par d'autres moyens à localiser la fête qui avait chopé le relais de Lunéville, donc on savait que c'était côté Lunéville et pas côté Rambervillers. Mais ça, c'est, on a passé 3 heures de temps sur place. Ça aurait été un déappel. Demain, oui. Demain, on pourra. C'est pas des blagues. Ça ne fait pas. Non. C'est une réponse par là. Il y aura le temps de mais c'est la voilà. Alors, nous, on va prendre des risques parce que je peux vous assurer que quand je petite gamine, quand il est 2h du matin, on ne va pas respecter tout à fait le 97 à l'heure sur le départemental de Rambervillers. Je pense qu'il y a plein de nos amis pompiers, c'est exactement les choses, donc on prend ouais, beaucoup de risques pour y aller. Et puis, la perte de chance pour éventuellement quelqu'un qui n'a plus les moyens, ce n'est absolument pas cynique. Alors, si on prend la boucle, il y a également un autre protocole, en fait, c'est les matelas coquilles. Vous avez peut-être déjà vu les gens qui ont des accidents de la route, hein, les pompiers sont protocolés là-dessus aussi, et ils vont vous mettre dans ce qu'on appelle un matelas coquille, ce qui ressemble à ça, en fait. Hein. C'est un matelas qui est. On va retirer l'air, en fait. On va le dépressuriser et on va, ça permet de modeler en fait la forme du corps et d'immobiliser. Le plus important dans les accidents de la route, c'est la colonne vertébrale et c'est bien maintenir cette colonne vertébrale droite. Donc les pompiers vont mettre un collier cervical, vont mettre ce matelas coquille. Et vu que bah,
Des fois, on a des délais d'attente qui sont beaucoup incompressibles au niveau des urgences. Systématiquement, quand les pompiers arrivent avec quelqu'un dans un matelas coquille, de la même façon, l'infirmière va appeler un médecin et le médecin va venir dans ce box d'accueil et on va décoquiller, on va retirer le matelas coquille au niveau de la personne pour améliorer son temps d'attente. D'accord ? Et bien sûr, si après nous on a le moindre doute ou que ça nécessite quand même de maintenir une mobilisation, on le laissera. Et si on peut le retirer, comme c'est dans 60% des cas, on le fait. Voilà, donc ça on en a déjà parlé, je vais vous pas repasser, mais vous après avoir orienté donc, soit sur les filières longues, du coup on a soit des salles d'attente, donc brancard, ou soit attente valide. Et on a à côté de ça les filières courtes, on en a déjà parlé, c'est un petit peu redondant, mais des gens qui sont valides avec des soins rapides et soins de la petite traumatologie. La filière AVC, ben, on en a parlé également, donc c'est annoncé par le SAMU, où il peut y avoir des arrivées spontanées, mais qui vont aller du coup. Orienté directement par l'infirmière d'accueil. Et donc, on a un box spécifique dédié pour les AVC où du coup, le neurologue arrive tout de suite. Dès que le patient arrive aux urgences en ambulance ou qu'il a été détecté par l'infirmière d'accueil, le neurologue vient dans ce box-là, examine le patient et après va l'amener directement à l'IRM, le scanner cérébral, pour aller mettre les médicaments pour détruire ce cadeau et chanter en fait tout le temps d'attente qu'on pourra avoir au niveau des urgences. Après, il peut y avoir d'autres types d'orientation, on en a parlé également, c'est l'isolement, s'il y a besoin d'un isolement respiratoire, parce qu'on estime qu'il y a un risque de contagion de personnes, par exemple les cas allergiques, les cas de grippe, hein, c'est écrit, lorsque vous avez la grippe, il faut mettre le masque après les urgences. Ça peut être des isolements au niveau de la peau, hein, des gens qui vont être la gale, et bien c'est bien qu'on les repère tout de suite, qu'on les isole dans un coin qui ne transmet pas la gale à tout le monde. Et ça peut être d'autres procédures, comme on a déjà parlé aussi, les patients en psychiatrie. Au niveau de pédiatrie où on avait récemment resté voilà. Il n'y a pas de service d'urgence pour psychiatrique et puis non. Je suis trouvée en train, il y a une vingtaine d'années, j'avais SAMU, j'attends au moins 4 heures et finalement c'est la police qui est venue, je crois que j'ai appelé la police. C'est la police qui est venue en venir à l'hôpital. D'accord, non, là on n'a pas d'urgence. Il y a une vingtaine d'années. Hein, alors l'hôpital, donc, c'est l'hôpital de Ravenel, hein, qui est l'hôpital de recours du centre psychiatrique sur les gauches. Eux ne font jamais d'entrée directe. Ça reste quelque chose d'exceptionnel. La plupart du temps, il faut quand même avoir une évaluation médicale. Et il faut quand même passer par le service d'urgence pour être revu par un médecin urgentiste. Alors après, les pathologies psychiatriques sont vastes. Hein. Ça peut aller de la folie, du délire complet, à quelqu'un qui est dépressif et qui veut mettre fin à ses jours. Après, ce qu'il faut que vous constatiez, c'est que bah, les gens sont dépressifs qui mettent fin à leurs jours. Des fois, ils ont pris des médicaments. Des fois, ils sont alcoolisés. Et lorsqu'ils sont alcoolisés, bon, on ne peut pas les amener sur l'hôpital de Mirko. Donc, l'alcool, on n'a rien à faire à part temporiser, attendre que l'alcool qui est dans le sang soit digéré, soit évacué complètement, et seulement après faire une hospitalisation à ce moment-là. Donc, des fois, les gens, bien sûr, c'est souvent les gens qui veulent partir, hein, c'est souvent ceux qui ne veulent pas rester à l'hôpital. Donc, des fois, donc, soit ils sont trop endormis à cause de l'alcool, donc là, on peut les surveiller de près. Et des fois, on a des gens qui veulent partir des urgences, et c'est les seuls. Du coup, on ne peut pas les laisser partir parce qu'il y a des risques. Quelqu'un qui est alcoolisé, qui sort et qui se fait renverser pour la voiture, pour une voiture par exemple, ça peut être imputable. Et surtout, quand je sais des problèmes psychiatriques, ça ne laisse pas un séjour. Donc les gens, on est des fois obligés de garder l'hôpital contre leur gré, et ça peut aller des fois jusqu'à des contentions mécaniques, donc mettre des cendres en fait, pour les attacher sur le brancard, voire même des feux de piqûre parce que les gens sont trop agités, pour temporiser et attendre d'avoir qu'ils aient évacué en fait, l'alcool. Après, donc ça c'est une mesure spécifique de ce qu'on appelle les hospitalisations sous contrainte, où en fait les gens ne sont plus aptes à décider de leur hospitalisation, et c'est des certificats qui sont rédigés souvent par un tiers, donc un proche de la famille, et un ou deux médecins urgentistes en fait, dans la situation. Après, on a des mesures exceptionnelles, c'est en cas de danger public. Là, c'est quand on a par exemple quelqu'un avec une arme à feu qui a des problèmes psychiatriques et qui est. Plus que dangereux, vous avez des troubles d'ordre public. Là, ça peut être un arrêté préfectoral ou au niveau du maire. Et là, on peut faire ce qu'on appelle des hospitalisations d'office. Où là, on part directement sur Mirko. Et là, c'est souvent des gens qui sont beaucoup agressifs. Donc, c'est souvent, il y a besoin souvent des pompiers, du médecin du SAMU pour aller faire l'injection, d'un médecin généraliste pour aller faire la piqûre, et souvent des forces de l'ordre pour sécuriser ces gens. Heureusement, on n'a pas tous les jours, mais ça arrive de temps en temps.
après l'étouffer, mais l'étouffer avec une telle énergie que c'était pas ça le problème, si vous voulez, mais c'est une personne connue, psychiatrique, moi je ne savais pas, donc... Mais oui, Marion, on ne sait pas toujours les formes. C'est pas toujours les formes. C'est le psychiatrique qui ne relève pas de l'alcoolisme, ni d'une pathologie inquiétante, c'est vraiment un règlement d'esprit. Quoi. Mais à qui s'adresser dans ces cas-là? Vous savez? Bah c'est souvent, ça tombe sur les armes en fait. On a souvent les forces de l'ordre qui vont passer la peine assez rapidement. Sauf s'il y a trouble de l'ordre public, il y a agression et violence. Je rentre dans le. Maintenant, je crois que j'appellerai la police en premier pour ne pas demander. Parce qu'elle risque rien. Après, vous pouvez appeler la police, mais si eux très rapidement, donc c'est pas grand sort, on sera amis par fin très rapidement. Voilà, donc ça, une fausse idée, que du coup j'insiste, et l'auteur de l'intervention l'a déjà dit, c'est que l'arrivée aux urgences en ambulance ou avec les pompiers ne fait pas passer plus vite. Ça, c'est vraiment un message fort qu'on essaie de faire passer, et que je pense que vous allez prendre donc ça ne rentre pas du coup dans les critères d'évaluation de gravité. Quelqu'un peut très bien arriver à pied en se tournant la poitrine dans un infarctus, alors qu'on a quelqu'un qui va arriver en ambulance avec une entorse de cheville, bah, la personne qui arrive à pied en se tournant la poitrine, c'est sûr que quel est le critère de gravité, on va la prioriser. Le moyen vraiment de rentrer pas dans ces critères d'évaluation. Voilà. Et ça, c'est juste pour vous montrer, ça c'est le voilà, titre d'exemple, c'est le logiciel qu'on a au niveau des urgences. Ça, c'est les urgences épinales. Donc là, c'est pas les, donc c'est des vrais patients, mais du coup, vous avez pas les nombres. Hein. Et on voit qu'en fait, on a des gens qui sont priorisés. On a différentes couleurs hein, en fonction des critères de gravité, donc rouge, orange, main jaune. Donc nous, on a une vision d'ensemble sur les patients. On a du coup à chaque fois le nom, prénom, on a le délai d'attente, on sait depuis combien d'heures est-ce qu'ils vont être inscrits. On a l'âge, le sexe, et on a souvent les examens qui sont en cours. Voilà. Et on a comme ça une vision d'ensemble sur les urgences. Là, vous avez le déchiquetage, là, vous avez les boxes d'installation, là, on a la partie isolement psychiatrique. Et là, on a du coup les gens qui sont en attente. Alors, qui sont en attente, et bien, comme on l'a déjà expliqué, soit des accusations, soit de scanner, soit d'avis spécialiste, soit d'hospitalisation. Et des fois, on a des listes qui peuvent s'allonger à ce moment-là. Et de la même façon, on a. Là, c'est la salle d'attente. On a la salle d'attente des urgences. Donc là, on peut voir qu'on a deux sections, en fait. On a une section salle d'attente non traumatologique. Donc ça va être douleur thoracique. Là, on voit que c'est probablement quelqu'un qui a mal à la tête. Là, c'est un problème X, donc je ne sais pas, 31 ans. Là, ça, c'est un problème global. Et là, on va avoir la salle d'attente traumatologique. Donc ça va être des gens qui vont faire des chutes. Là, on a des petits icônes, en fait, où les gens sont fléchés, filières courtes. Ce petit icône-là, on sait que c'est de la filière courte. Donc ça, c'est vraiment quelqu'un de 27 ans, un homme, qui a peut-être un traumatisme du poignet ou de la jambe. Et là, on a quelqu'un de 87 ans, on voit que c'est pas de la filière courte. Donc pourquoi c'est pas de la filière courte? C'est traumatologique. Mais on se doute que la personne, elle risque de pas rentrer à la maison. Peut-être parce qu'il y a une fracture du poignet féminin ou une chute sur un malaise. Il y a un malaise. Il y a un malaise de l'arrière, mais alors il y a une tout à fait. Voilà. Donc on a, et ça évolue en permanence. On a des gens, du coup, on voit qui s'accumulent au fur et à mesure. Et on a une espèce de vision sur un côté assez d'accord. Et de l'autre sur. C'est pas mal, hein. 56 minutes la salle d'attente, le premier qui a pas vu un docteur, ça fait 1h19 pour le traumato sur 56 minutes. C'est pas si bien que ça. Et voilà, c'était pris dans l'après-midi. Hein. Enfin, c'était le premier après-midi, mais là, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Hein. Et on peut très bien avoir, d'un coup, alors, vu que les urgences, ça se programme pas, on peut très bien avoir ce tableau-là, mais si vous reprenez le même tableau 10 minutes après, parce que là, il y a 6 personnes qui sont arrivées dans le jeu. Ça varie tout le temps, c'est totalement. Ça fait partie de l'information qu'on peut donner aux plutôt patients. Souvent, l'infirmière d'accueil, quand les gens vont dans l'escalade d'attente, son infirmière d'accueil va dire la première personne qui a été par exemple, il y a 1h20 là d'accueil de temps. Et sachant que la personne peut très bien sortir du box, et juste après avoir un départ smooth, et tout de suite, on montre. Bah, je dis, on l'étudie, on va même chiffrer le système qui permet de savoir le nombre de patients qui sont dans la salle d'attente, le délai moyen, etc., avec un reporting sur un écran.
moins intéressant, c'était des chiffres, c'était de maintenant recevoir notre final dans la police. Est-ce que ça existe? Oui, ça existe. On l'a inventé, hein, on a voulu reproduire le système qui n'existe plus beaucoup. On l'a élu, il nous pesait drôlement bien, on dit on va faire la même chose. Le logiciel leur permet de le faire. Ouais. Donc chiffré, c'est pas, on avait fait le demi, hein. Et bah. Ça coûte plus cher. Et on a un autre élément là, on a les annonces du SAMU. C'est-à-dire que les gens qui ont été réguliers et qui arrivent par le SAMU, on sait à l'avance qu'il y a telle personne qui va arriver, qu'elle a fait un malaise ou. Voilà, là on sait qu'on a une personne qui est en attente, qui a été annoncée par le SAMU, on a le lien en fait entre les logiciels, donc les étrangers qui sont AVC ou les douleurs thoraciques, on sait alors qu'on a déjà quelques infos, mais on a plein de gens qui arrivent avec un médecin, c'est pas totalement. Ça peut vraiment être un rendez-vous. Donc c'est totalement prévisible. On sait que cet ici-là, on a des pics d'affluence. On sait que le matin, il se passe généralement pas grand chose. On a juste des patients d'amis qu'il va falloir qu'on reprenne, vu que c'est pas la même équipe, donc il faut qu'on les revoie, etc. Le pic d'affluence commence généralement à 10h, ça commence doucement, un premier pic à midi, ça redescend un petit peu, et ça remonte à 17h jusqu'à 22h, et ensuite vous avez une lente décroissance à partir de 22h. En fonction du temps, les week-ends, le l'affluence qui est plus grande. On sait que les samedis, dimanches, lundis sont les jours de plus grande affluence. Après, dans les autres jours de la semaine, on a connu, on a des périodes sur 3-4 ans où on a eu le jeudi qui était la journée la plus creuse. Là, depuis 2014-2015, le jeudi est devenu une journée, la deuxième journée de semaine après le lundi. On inversait avec le mardi. Sans qu'on s'explique. Hein. Bon, c'est mercredi, mais à cause des enfants, mais mercredi, non, on chute plus en ce moment, depuis quelques années. Et ça, on ne sait pas l'expliquer. Samedi, dimanche, on sait l'expliquer. Il y a tous les accidents de loisirs, en domestique, etc. Et surtout, vous avez plus de difficultés pour joindre ces médecins de garde, etc. La médecine s'arrête un petit peu le week-end. Vous aimez ça pas aussi. Sauf que nous, que ce soit la journée, la nuit, le lundi, le dimanche, le samedi, c'est la même activité. Enfin, on est obligé d'assurer le même niveau d'activité. Les seuls de l'hôpital et de secteur santé. Les seuls. Il n'y a pas plus de personnel dans ce moment-là. Non, pas. Alors, je vous dirais oui et non. Au SAMU, oui, on a plus de personnel le dimanche. À cause de l'activité, cette fois-ci, de nos amis de la permanence des soins, donc Medigard, où là, qui a une suractivité le dimanche, où on va renforcer le personnel pour décrocher le dimanche. Ce qui nous pose des soucis aussi. Mais juste pour décrocher, pas pour le reste. Bah pour décrocher, pour le côté régulation, ça pose des gros soucis. Parce que nos permanentiaires, nos filles d'organisation médicale, travaillent beaucoup plus les week-ends que la semaine. Nos auxiliaires d'organisation médicale travaillent 3 week-ends sur 4. Puisque c'est là où il y a le plus grand nombre de personnel présent. Donc justement, on a à cette activité. Et ce qui veut dire que pour le repos, voilà, c'est pour la vie familiale et la compagnie, c'est beaucoup plus problématique. Pour les congés. Parce que forcément, on a une activité constante. Hein. Donc là, on va se retrouver au 15 juillet. Vous aurez autant de permanentiaires que là actuellement et autant de médecins régulateurs que là actuellement. Et c'est pire pour aller à France ou pas ? Sur l'activité des urgences, c'est très variable. En fait, ce qui est le plus déstabilisant pour nous, c'est les problèmes de lit. L'absence de lit disponible dans l'établissement, c'est ça. C'est le gros problème des urgences. Pendant des années, les pouvoirs publics ont considéré contre l'avis des urgentistes, et nous ça fait 15 ans qu'on se bat contre ça, en disant que le problème des urgences, ce n'est pas ce qui rentre, c'est ce qui sort. Le goulot d'étranglement, ce n'est pas l'arrivée, c'est la sortie.
Si vous nous réglez les problèmes de sortie, moi on peut vous assurer que ça, on régule, mais alors sans grosse difficulté, sans grosse. Tout ça. Tout ce qui va gêner, c'est que pour mettre un patient dans tel service, il va falloir le scanner, le machin, le ceci, le cela. Tant qu'il n'a pas tout ça, bah, il monte pas dans le service. Et puis, bah ouais, mais j'ai pas de lit. Donc vous le gardez aux urgences et puis je le prendrai demain après-demain quand j'aurai un lit. Sauf que le lendemain, bah, il faut quand même s'en occuper. Parce que c'est une équipe différente. Donc c'est, moi, quand je vais m'occuper d'un patient, je vais quand même le revoir. Enfin, je vais savoir de quoi il cause. Je crois mon confrère. Je suis un petit peu comme Saint-Thomas, je crois tout ce que je vois. Donc je vais le réexaminer, etc. Et je vais prendre plus de temps que si c'était mon propre patient à moi que j'avais laissé la veille. Et c'est ça, en fait, qui nous pénalise. C'est les problèmes d'aval et pas les problèmes d'amour. Alors, dans l'hôpital, on sait, on a tenté de régler les problèmes d'aval. On était inscrit dans un programme de gestion des lits fait par le ministère de la Santé, l'ADAP, l'Agence nationale de la performance, sur lequel on a prévu quelques pistes. On n'est pas allé jusqu'au bout de ce qu'on voulait, qu'il n'y a pas eu de la volonté politique, voilà, c'était révolutionnaire ce qu'on pouvait faire. Mais bon, on a quand même amélioré un petit peu les choses. On a favorisé les sorties de matin. On s'est rendu compte que si les patients sortaient le matin, on arrivait à fluidifier les urgences, enfin certaines sorties de matin. Parce que les patients montaient plus tôt dans les services. En montant plus tôt dans les services, le patient qui est à 10h aux urgences, il monte à midi. Et bien il verra le spécialiste à 14h, 15h. Le spécialiste qui va dire, ah mais si je traite telle pathologie, j'ai besoin de ça, ça, ça et ça. Et bien il va pouvoir avancer dans la prise en charge. Le patient qui monte à 19h, le spécialiste, soit il est là parce qu'il a ça de boulot, mais généralement il est chez lui, il a bien raison d'être chez lui, et même s'il est là, il dit ok, j'aurais besoin de ça, ça et ça. Ouais, sauf que le scalaire, peut-être, est fermé, le machin, peut-être, est fermé, donc il a perdu une journée. On perd une journée d'hospitalisation. Donc ça, c'est des mesures qu'on a mises en place. Alors, ça n'a pas été évident, parce que c'est une révolution médicale, hein, dans le monde médical, que dans les services, on fasse des sorties le matin. Alors, la sortie, c'est après la grande visite du matin, et puis après la contre-visite de 17h, quoi. Donc on a fait un petit peu de révolution médicale. Mais c'est ça le vrai problème. Le vrai problème des urgences, hein, c'est la balle, c'est pas la balle. C'est pas ce qu'on rentre. Nous, ce qui rentre, on est capable de gérer ça. Enfin, les mecs, ça ne pose pas de soucis. Pas de soucis. Quand on sait qu'il y a plus de risques sur l'hôpital, et puis qu'on voit que la salle d'attente est continue à se remplir, et qu'il est minuit, qu'il est le matin, bah, on sait qu'on a plus de possibilité d'hospitaliser les gens, jusqu'au lendemain matin, etc. On voit que les gens continuent à s'inscrire. Des fois, je vous promets que des fois, on a même une roulette, hein. Des fois, ça descend. Alors, on n'a pas le choix que d'accueillir les gens et de débuter les traitements, de faire ce qu'on peut, mais c'est sûr qu'au niveau gestion, au lieu d'avoir à gérer 3 ou 4 patients, des fois, on en a 15 ou 20 à gérer en gros. Et puis, nos pauvres infirmières, quand vous avez 15 patients dans le cours des urgences, que ces 15 patients nécessitent des soins. Bon, moi, j'aurai besoin de l'infirmière pour aller me faire une prise de sang. Oui, mais elle a encore déjà 15 à s'en occuper avant, etc. Donc là, vous allez prendre trop tard. On peut pas faire autrement. C'est pas chiant. Et ça veut dire que l'organisation du nouvel hôpital qui est en train d'être créé n'a pas à prendre en compte ces considérations. Les considérations, c'est principalement les problèmes de lit on aura probablement plus de place de lit, on aura probablement plus de place, plus de possibilités d'installer les gens. Plus de lit. Plus de lit, je ne sais pas sûr. Hein. Non. Alors, on va faire du politiquement correct, du politiquement incorrect. Le politiquement correct, c'est pour dire que le nombre de lits. Alors, le nombre de lits et places dans le nouvel hôpital par rapport à l'ancien, c'est simplement le. Enfin, c'est à peu près le même. Il y a même plus de lits et places que dans l'ancien hôpital. Sauf qu'on parle beaucoup de places ambulatoires. Vous savez qu'actuellement, on a développé beaucoup la chirurgie ambulatoire, mais également la médecine ambulatoire. On rentrait le matin, on sortait l'après-midi. Et là, on nous l'a vendu, parce que nous, aux gentistes, hein, ça fait des années qu'on tire à la d'alarme, des années qu'on nous dit, parce qu'on dit qu'il manque des lits, surtout des lits dans certains secteurs. Il y a peut-être trop dans certains secteurs, d'autres secteurs, il en manque. C'est médecine à personnes âgées, médecine interne, etc., cardiologie, on sait qu'il en manque, ben, voilà, c'est mathématique. Neurologie, mais des attentes avant de mettre un patient dans une neurologie, c'est 2 jours. Enfin, c'est 2 jours aux urgences avant d'aller dans un service de neuro, quoi.
qui est pour nous inconcevable. Et là, on nous dit, oui, mais dans le nouvel hôpital, vous inquiétez pas, si on regarde le nombre de lits et places, il n'y en aura pas plus. Non, mais on va travailler différemment. Donc, on va gagner en ce qu'on appelle la durée moyenne de séjour, donc les patients vont rester moins longtemps hospitalisés. Ça, c'est politiquement correct. Politiquement incorrect, c'est très bien, on acte, mais pourquoi on ne le fait pas dès maintenant? Ça, c'est mon réponse, non. N'envisagez-vous pas non plus de former des équipes qui roulent dans les ambulances et qui permettent de faire des analyses, des premières analyses de sang? Interdit par la loi, ça. C'est un acte médical, il n'y a que les médecins qui ont le droit de le faire. Oui, mais avec un médecin dedans. Ah ben, mais si le médecin, vous prenez où? Si vous avez des médecins, déjà, donnez-les-moi, parce que j'ai quelques trous dans le planning, et pour le SAMU, et pour les urgences, et pour le FUR. Donc déjà, j'ai des comptes pour ça. Et puis après, j'ai du surplus, oui, je prends les réglants. Et là, j'ai pas les moyens. Moi, j'ai toujours j'avais une industrie, on a plus de bourses, on a plus de gens, plus de personnel autour. Grosso modo, pour vous donner un ordre d'idée, on est 14,13 équivalents temps plein pour tourner sur les urgences, le SMUR, le HCD et le SAMU. Si on veut répondre à toutes nos missions en restant dans le cadre légal de la loi qui est de 48 heures par semaine, 48 heures, hein. On n'est pas aux 35 heures, nous, hein. On est aux 48 heures par semaine. Il faudrait qu'on soit à 22. Voilà. C'est facile à retenir. 22. Le centre hospitalier, ils ont des routières, des médecins extérieurs qui viennent. Je crois que c'est sur routière, mais c'est bien ça. Ah, Saint-Jean. Alors, c'est vraiment, oui, c'est une annexe en fait de l'hôpital. C'est un petit peu comme Bravo, etc. En fait, vous avez des services de l'hôpital qui sont là. Donc, vous avez le service d'allergologie, vous avez le XAPA qui est là, une consultation avancée de gynéco par des sages-femmes, le flamo, consultation mémoire qui est là, avant il y avait la médecine traumatique. Voilà qui est là. C'est juste, on va dire, c'est parce que l'hôpital n'avait pas assez de place, donc on a délocalisé. Mais c'est les médecins de l'hôpital. C'est les médecins de l'hôpital, sauf que. Alors c'est comme moi. Moi je suis un médecin de l'hôpital, moi je suis mon employeur, c'est Émile Durkheim, sauf que mon lieu de travail, c'est pas aussi le plateau de la justice. C'est à Golbe, parce que le service est délocalisé là-bas. Et c'est juste une délocalisation, mon employeur, ce n'est pas les pompiers, c'est l'hôpital. Oui, parce qu'ils ont, ont besoin pour l'info, etc. En revanche, les tubes sont traités sur le laboratoire de l'hôpital qui remonte sur le plateau de la médecine. Il y a toujours des médecins. Les tubes remontent là chez vous. Vous entendez en plein qu'il y a une consigne ? Non, oui, l'opération CHU. Il y a des médecins de l'hôpital qui viennent, donc quand on consulte, la cause de l'hôpital qui se fait opérer. Alors, dès le. Ouais, c'est bien important. Cake. Alors, il y en a qui ont un temps partagé, c'est-à-dire qui ont leur activité principale sur Épinal et qui vont faire une fois par semaine, qui vont être au CHU, ou deux raisons. Un, c'est pour le maintien des compétences, parce que ça permet d'avoir un recrutement qui n'est pas sur Épinal, et puis à viser, on va dire, intellectuel, ça permet de garder un contact avec un grand centre comme le CHU. Ça, on a encore. On avait avant une filière d'orthopédie avec une convention entre les chirurgiens orthopédistes du centre médicalé et de l'hôpital. Ça, on les a plus. Non, on va leur trouver des chirurgiens à la place. Voilà. Alors, c'était pour pallier une carence de chirurgiens. Et là, on a pu rajouter des chirurgiens orthopédiques, donc on n'avait plus besoin d'avoir cette convention. On a quelques intervenants du CHU qui viennent faire des piges sur l'hôpital, à titre d'expert. Et puis on a quelques de l'hôpital qui vont aller sur le CHU. Un cardiologue qui disait c'est gros, justement pour garder une activité qu'on avait plus sur l'hôpital. Alors on a des cardiologues qui faisaient une journée par semaine les gros sur le CHU. Si en pédiatrie, il fallait que ouais, c'est pas de chirurgie pédiatrique sur chez nous.
Bah, c'est juste là. Disons que. Et nous, on voyait tout type de malades, c'était bien compris. Il y avait une priorisation par rapport à la FS. Il y a des critères spécifiques qu'on était censé être en charge de la douleur. Et puis qu'on avait du coup à les orienter en fonction de critères spécifiques. Merci. Voilà, donc on avait d'autres questions. Je pense qu'on va prendre le temps. D'accord, mais on va essayer de prendre la foule. Alors ça, c'est une campagne du ministère de la Santé qui nous avait distribué des etc. On a également Julie, si vous attendez, c'est que certains regardent la télévision et vous avez un électrocardiogramme qui était etc. Juste pour comprendre, voilà, que, on fait tout ce qu'on veut. Je ne pense pas que dans l'équipe finalienne, on soit particulièrement fainéant. Je ne pense pas. Quand vous attendez, c'est que franchement, on ne peut pas comprendre. Les nuits blanches, on n'y compte pas. Manger le soir, notre dîner, grosso modo, entre 4h et 4h10 du matin, notre dîner. Hein. Le déjeuner, la morceau de pain entre les patients. Alors oui, on va combiner beaucoup de café, donc on a la cafetière qui marche en permanence. Et pour tenir le coup, oui, ça, bah, moi ça m'arrive d'aller taper mon observation avec la cruche de café juste à côté. Je perds juste une main pour taper sur l'ordinateur, mais quand je tape avec deux doigts, je suis pas taper à la machine, je perds trois doigts. Est-ce qu'on est toujours positionnant ? Merci. J'espère que tu n'es pas trop de français parmi l'assistance.